Alors là, je suis sous cum, c'est bon. Je suis sous cum encore un petit temps. Donc on avance, on rush, frère. Ah non, je suis sous... Je suis sous quoi, là? Je peux plus roll, frère. Mais je suis baisé, là. Ah, c'est bon. Ok. Je suis encore sous cum, donc là, il faut que je profite à fond. Je récupère mes âmes aussi, non? Y'a pas mes âmes à côté? Attendez, attendez. Où sont mes âmes? C'était pas là? J'ai pas des âmes ici, frère. Si elles sont là. Je suis bigleux. My bad. Donc chemin caché ici. Ok, il y a un mob de givre qui va me casser les pieds. Je peux déployer cette échelle ou pas? Non, je peux juste la descendre. Va falloir que je reprenne une dose, je pense. Il me faudra bientôt reprendre une dose. Pierre de confession. Hein? Je suis où, là? Ok, donc là, c'est un nouveau chemin. Ok, nouveau chemin. Donc si je tombe là, ça me... Attends, il y a un objet, là. What the fuck? Le bâtard, tu fais quoi, là? Si j'ai fait tout ça pour pas l'avoir, j'aurais eu trop les nerfs. Ah, je tombe là? Ok, stylé. Du coup, c'est l'endroit où je voulais aller, où il y avait un mob. Très bien. Moi, par contre, j'ai perdu un peu de temps, mais c'est fine. Il me faut ma dose. Je vais reprendre une dose vite fait. Une petite dose de foutre. Ok, parfait. Petite dose. C'est bon. On est bien. On va pouvoir s'avancer maintenant. Le bon lait. Ouais, ouais. Le lait, ouais. Là, c'est pas mal. On s'avance. Là, on continue. J'étais passé par où après? J'étais passé à gauche. Non, j'ai pris le chemin caché. Donc, en fait, j'ai fait l'échelle. Je vais regarder si à l'échelle, il y a un autre truc. J'ai fait petit chemin caché pour prendre l'objet. Là-bas, il y a quoi, là? Il y a un message. Attends. Furtivité droit devant? Attends. Ah, il y a un levier en fait. Ah, il y a un chemin. Ça va m'ouvrir un truc ici. Et il y a un mob derrière, c'est sûr. Il y a un mob qui dort, non? Anneau d'érudit. Oh non. C'est ça? L'anneau d'érudit, ça doit être un truc de magie, j'imagine. Hein. L'anneau d'érudit, ça se voit, c'est un truc de magie. Comment je l'intègre, voilà. Évidemment. J'avais pris le pont, j'étais allé à gauche, j'ai pris l'objet. Là, j'ai pris l'objet ici. Il y avait un autre truc ou pas? Pas grand chose de plus. Je vais monter. Et là, j'avais pas été. Et là. Et là, c'est l'ascenseur que j'avais qui était pété. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Là, j'ai un autre raccourci. Ici, voilà. Et là, non, j'arrive devant le. Ah non. Ah non, j'ai menti, wesh. J'ai menti de fou. Ok, donc là j'arrive là, très bien. J'arrive ici. Ok. Mais du coup, ce raccourci. Est-ce qu'il y a un truc sus sur ce... Non, je pense pas. Je me demandais s'il y avait pas un truc sus ici. Dans l'ascenseur. En mode, il y a peut-être un chemin plus bas, mais je ne pense pas. Ok, donc là je suis là. Je viens d'où déjà? Ok, là c'est là, ok. Ok, donc là si je remonte à gauche, c'est bon. Voilà, si je vais là, c'est bon. Là ça me permettra de fouiller un peu. À cet endroit, espérons qu'il y ait un feu. Là c'est que je suis plus sous cum, donc là c'est dangereux. C'est très dangereux là de s'approcher des mains. En plus surtout que là il me recrache. Recrache du cum lui. Robe d'érudit, c'est très bien. Oula, comment je vais y aller là? Waouh, 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 waouh! Attendez, les mecs, doucement, doucement, il y en a même au sol!
Attends, mais c'est impossible! Ah ouais, ils ont abusé, hein. Putain, dire que si j'étais sous cum, j'aurais été tellement bien. Là, il y a une échelle que je pourrais déployer après. Ok, si j'arrive tout là-haut, j'aurai une échelle que je pourrais déployer après. Ok, pas mal. La phrase de fou hors contexte, hein. Si j'étais sous cum, j'aurais été tellement bien, frère. La phrase de fou. Laisse-moi me planquer la pitié. C'est de la folie cet endroit par contre. J'ai eu un anneau. Je sais pas c'est quoi l'anneau 2. C'est un anneau de furtivité je crois, non? Et j'ai pas eu le temps de lire le nom de l'anneau parce que je me suis chié dessus, voilà, je vais pas mentir. J'ai cru voir un anneau de furtivité ou un truc comme ça. Ou alors je suis totalement fou. Morsure maudite. Ok, j'ai eu 0 sur 20. Anneau de morsure maudite. Améliore la résistance aux malédictions. Ok, donc ça c'est pour la... Pour les mains qui essaient de m'attraper, bon ça va, si jamais je... J'arrive à être sous cum, on est bien. Je pourrais descendre et prendre l'objet, je crois qu'il y avait un objet sur le toit là-bas. Ok. Après il y aura un autre chemin que j'ai pas encore exploité, donc on va aller sur les toits. En bas, trop bas. Il y avait un item sur un toit à un moment. J'essaie de bien visiter tous les toits là. Je suis un Yamakasi. Ok. Y'a quoi en bas? Y'a des mobs que j'ai pas encore tué en bas. Donc en bas, faudrait que j'y aille aussi. Je pourrais aller en bas après. Déjà, je vais prendre l'item qui est là. Est-ce qu'il y a un chemin là? C'est quoi? Oh non, une gargouille. Après les garouches sont moins fortes que sur Elden Ring, heureusement. Oui. Faut que j'attende qu'il retire son armure. Ah non. Non. Merci. J'ai un peu peur de mourir ici là. Là ça m'aurait fait chier de mourir ici. Attention, ennemi redoutable. Ouais, ennemi bien casse-couille clairement. Donc en bas, sert à rien ici d'aller en bas. En bas, sert à rien non plus. Et là, sert à rien non plus. Donc on va aller en face. Donc on doit descendre par là. On va descendre par là, ce sera très bien. Ok, il y a quoi ici? Il y a un item. Avant d'aller voir les mobs, je vais aller voir d'abord les différents endroits qui peuvent traîner par là. Il y a un autre item là-bas et un feu. Il y a un feu surtout, ça c'est broken. Attends, je crois que j'ai vu un feu là derrière. Ça, ça peut être clutch ça. J'ai menti! J'ai menti de ouf frère, il n'y a pas de feu. Je suis où là? Quel feu, frère! Juste fait le tour, là. Mais du coup, y'a rien, là? Non, là, c'est trop. Du coup, le côté gauche ne sert à rien. Ici, t'as ouvert un passage secret. Ouais, je sais, je l'ai pris, déjà. Passage secret, j'ai pris. Ici, attends, y'a une échelle. What? J'ai pris cette échelle? Ouais, j'ai pris cette échelle. J'ai pris cette échelle et j'ai ouvert ça. Ah oui, c'est vrai. Oh non. Un chevalier de givre. Est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Est-ce que j'ai pas envie de tracer pour trouver un feu avant? Parce que eux, ils me one-shot et ils sont chiants. Oh non. En plus, il y a les mains qui foutent full cum de partout! Putain de merde. Ok.
Bon, je vais le tuer lui, c'est bon. J'aurais dû cavaler, je pense. J'aurais dû cavaler parce que 74 000 âmes là. Aïe 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 aïe. Dommage, j'ai pas réussi à le one try. En fait, le gros problème aussi, c'est que les mains me retirent de la vie. Et vu que les mains me retirent de la vie, eh bien, j'ai plus mon bonus de mon anneau. De mes deux anneaux, parce que j'ai deux anneaux qui me permettent de faire plus de dégâts lorsque je suis full vie. Et j'ai plus d'armure quand je suis full vie. Et ça, c'est clutch. Par contre, l'anneau qui m'augmente mes dégâts quand je suis full vie, ça augmente mes dégâts de combien de pourcents? Trop relou, il me faut encore du cum. Putain, trop relou, sérieux, trop relou. Hein. Trop relou, je dois passer sous cum, fait chier, quoi. Après ça, c'est juste à côté en vrai. Là, je vais tout droit et c'est bon. Enfin, je vais pas tout droit exactement. Je monte, je prends l'échelle et on y est. Ça va en vrai. Oui, ça va en vrai. C'est ok. Je tue lui déjà aussi. Ok. Là je suis sous cum, le soldat va rien me faire. Ah, c'est que mes âmes elles sont pile collées à lui là, donc c'est un peu relou. Donc faut que je marche vers lui là. Ok. Doucement. Chut. Mais je peux pas le backstab. Je ne peux pas le backstab ce mob. Est-ce qu'il y a un truc juste à côté? Il y a un item. Juste à côté c'est un item. Je dois mériter cet item. Ok. Je dois mériter cet item. J'ai ok, voyons pourquoi tant de haine. Des cœurs, c'est beau. Des cœurs, c'est de l'amour, c'est bien, c'est mignon. Y'a rien. Je suis aligné, ça je reconnais, oui, totalement. Allez, on y va. Les cœurs ou le cum, les deux. C'est ça moi l'item que je voulais, je l'ai pas récupéré encore, ça veut dire. Aïe. Merci. Ok. On est bien. Un bol de cum et ça repart exactement. Un petit bol. Petit bol de cum et on est bien. Bon, cette zone elle est... Elle est pas marrante hein. Faut le dire hein. Cette zone elle est bien casse-couille hein. Comment je veux pas que ça tape? Non, ça va. Oh le bâtard. J'ai tanké un coup. J'ai pas tanké le deuxième. Oh le con quand même. Oh le con comment il bourre. Oh le con comment il bourre. On dirait mon Roy. Il abuse. J'étais tellement surpris de tanker un coup. Bah ouais, j'étais en mode je suis mort. Bah je me suis pris le coup, je suis dans le bon bah tant pis hein, c'est pas grave, on recommence hein, ça repart. Il a bourré son selbe jusqu'au bout hein. Tranquille, on a 90 000 âmes, ça arrive. On va récupérer nos âmes, on va être bien. L'homme lui tue quelqu'un, mon roi est trop grotesque hein. Mon roi je pense, en vrai de vrai, je pense qu'il fait partie du top 5 des meilleurs rois de France. En vrai de vrai. Vraiment, stat 100% accurate. Voilà. On repasse sous C. Évidemment, le C ne signifie pas la cocaïne.
C'est très bien de quoi je parle. Moi je pense que c'est top 100 et t'es pas centième. Top 5 des meilleurs joueurs de Roy sur tour. Probablement. Oh attends. J'avais pas vu ça. Bon, j'ai pas besoin de le tuer lui, c'est bon, il va saouler, il sert à rien. Bon, par contre mes âmes sont là-bas là. Oh l'enfer. Non, je vais le bourrer, je vais lui mettre 3 coups. Je mets 3 coups dans le dos cette fois. Waouh. Waouh. Il veut pas s'arrêter le cousin. Voilà bouffon. Voilà bouffon, reste par terre. Casque de chevalier éclaireur, armure de chevalier éclaireur, gantelet de chevalier éclaireur et jambière. Voilà, merci monsieur. C'est lui qui chante depuis tout à l'heure là. Ah c'est les mecs qui balancent des spells qui chantent depuis tout à l'heure. Ok, 110 000 âmes par contre. Donc en vrai de vrai, de tout Solari, Orléans Gluto, tu penses que t'es le goal sur Smash. Mais pourquoi tu dis Orléans Gluto? Je suis le goal sur Smash, dans tout Solari frère. Évidemment, évidemment. J'ai un dosage. J'avoue qu'il n'y a aucun dosage là. Il y a chat et détruit sur Smash. Ouais, ouais. Oh, ouais. Alors, ça c'est bon, on a pris. Attends, mais wesh, qu'est-ce qu'il manque à prendre en fait? À part une autre bonne session de cum, qu'est-ce qu'il me manque à prendre hein? C'est ça ma question là. Oula. Mais rien là, j'ai tout pris là. Si j'avais été. Ici, j'ai été ici. Mais ouais, je suis perdu. Je dois aller en haut. Je dois monter. Je dois monter. Il y a un moment où je peux activer un truc. Il y avait des mobs quelque part qui m'avaient cassé les couilles. Donc là, si je monte. Ah oui, j'étais allé sur les toits. J'étais allé sur les toits. J'étais allé tout droit. J'ai pas pu aller encore tout là-haut. Donc là, j'ai pas encore pu déployer cette échelle-là. Ça, c'est pas grave. On avance, hein. C'est fine. J'ai pas trouvé de feu encore non plus. Mais j'ai pas pu monter là. Je n'ai pas trouvé de quoi monter encore. Mais je pense que si je vais sur les toits, peut-être qu'il y aura une échelle qui me permettra de monter un moment. Donc j'étais descendu un moment. Là-bas, il y avait la gargouille qui était en face qu'on a tuée. Ok, bon, on continue de s'avancer. Hein. Et là, je pouvais descendre pour taper les mobs ici. C'est ça, je pouvais descendre pour taper les mobs ici, mais je peux aussi monter. Encore. Oh non. N'en peut plus d'elle. Faut que je tombe. C'est bon frère. C'est bon la gargouille. C'est bon, lâche ça un peu garçon. Bon, là y'a un dragon qui va me pisser dessus là non? Vas-y, pète les couilles lui. Bien, on prend l'item. Gemme tranchante, ça c'est très bien pour moi. La gemme tranchante c'est très bien pour moi. Mais quoi? Mais comment ça, il y en a encore un là? Ils veulent pas s'arrêter frère hein. What? Je ne vois rien frère. Je n'arrive pas à lock le mode depuis tout à l'heure, je pète un plomb. C'est bon, on est fatigué des gargouilles oh. Il y avait un deuxième truc, bon tant pis. Hein. Le deuxième, je l'aurais pas. Le deuxième, j'aurais pas. Il est parti trop loin. Par contre, je peux aller là-haut. J'ai un chemin pour aller en bas, j'ai un chemin pour aller là-haut. Monteur droit devant. Ok, bon, forcément. Même que le message c'était. Passage dérobé juste devant, il n'y en avait pas. Donc là, on va pouvoir monter d'un étage. On va pouvoir prendre cet objet-là. Encore une gargouille ici. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, frère. C'est bon, frère. C'est bon, frère. C'est quoi ça aussi? Non, mais abuse aussi. Abuse. Il y a un moment, il faut lâcher. Il faut lâcher prise. Il y a combien de mobs comme ça? 121k que je dois aller chercher là. Oh, la zone. Note sur 20 de ton ressenti face au roi sans nom. Oh, un bon 18, hein. C'était vraiment bien. Le meilleur boss du jeu de très très loin. Hein. Y'a que de ça ici, ouais bah écoute, ça pète les couilles hein. La zone est abominable. C'est je pense la pire zone que j'ai fouillée depuis le début hein, no fake hein. Je suis sérieux. La zone est ignoble.
Est-ce que j'ai besoin de cum là? J'ai pas besoin de cum là, je peux juste avancer je pense. La meule est en ventriloque. Non, je m'en branle. Pourquoi je voudrais être ventriloque? Mais je parle, frère. J'ai parlé, je parle. C'est bien de parler. Ah non, mais c'est là-haut en fait. Non, c'est bon. Si je m'avance après, je vais en face. Ouais, c'est ça, c'est en face. Les librairies slash archives sur les souls, envie de canner. Mais là, j'ai envie de. Je me foutre en l'air, hein, vraiment, hein. La zone est ignoble, mais surtout c'est loin! C'est loin sa mère! C'est de l'abus de faire une zone comme ça! C'est ça le vrai problème de la zone! C'est qu'en plus ça, j'imagine que les gargouilles respawn vu que c'est des mobs normaux! Enfin. Comment être heureux? Comment être heureux? Bah ouais, comment être heureux? Je sais qu'il y en a une autre qui va spawn. Oh c'est bon frère. Donc là il y en a deux. J'ai deux gargouilles au-dessus de moi qui sont en train de me chase, qui se rafale la gueule, c'est très bien. Je peux aussi passer par là. Mais avant ça, je voulais d'abord finir le chemin que j'avais emprunté qui était là-haut. C'est vrai que j'avais pas le buff cum contre les gargouilles, my bad. Hein. Et là où je sais qu'il y en a deux. Donc il y en a deux qui m'ont tombé dessus. Je vais pas essayer de les tuer, j'ai juste d'abord essayé de fouiller si jamais il n'y a pas un objet qui traîne par là-bas. Ok, il n'y a pas d'objet qui traîne par là-bas. Je récupère mes âmes, pitié. Laisse-moi récupérer mes âmes. Merci, merci. Le perso s'est foutu de ma gueule. Le perso s'est foutu de ma gueule. Le perso m'a creep block. Non mais... Tant pis. Tant pis les mecs. Happens. On a perdu 3 levels. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon l'ascenseur par contre par pitié. L'ascenseur même... Ah oui c'est vrai. Ah putain c'est vrai que j'ai un ascenseur ici là. Là, juste là. Putain, bien vu. Bah ouais. Après, est-ce que c'est vraiment mieux? J'arrive où? Enfin, si je remonte là. Je suis où? C'est pas vraiment mieux, hein. Ah si. Ah si, c'est vraiment mieux. Ah si, si, c'est vraiment mieux. Ah oui. Ah oui, merci monsieur. 3 levels, c'est juste 3 points de dégâts en plus. En vrai, ça va. Bah, en vrai, de vrai, oui, ça va. Objectivement parlant, ça va. Mais disons que c'est quand même 3 levels, quoi. T'es content de les avoir, mine de rien. Est-ce que je descends là? Non, j'ai envie de fouiller d'abord là-haut. J'ai dit que je fouillais d'abord là-haut avant de fouiller l'étage inférieur. Donc, on va fouiller là-haut avant, là. Wesh. Parti où toi? Mon gars, ça va? Il s'est suicidé. 4000 âmes de récupérer gratos. Merci monsieur. D'accord. Pourquoi pas? Attention! Mes âmes! Ouais, 0 âmes. Ouais, let's go. Il y en a un deuxième. Mais du coup, il y a un chemin par là. Il y a l'autre chemin est où? L'autre chemin est donc. Ok, l'autre chemin, c'est celui qui va là. C'est celui qui est là. Zone dégagée droit devant. Oula. Chase, est vraiment là? Ah, lui aussi il est tombé. Ok, un autre qui s'est suicidé. Merci monsieur. Ah oui. Là j'arrive en haut, d'accord. Donc là je suis à l'étage au-dessus. Donc je vais pouvoir, grâce à ça, déployer une échelle normalement. Fragment d'os de mort vivant, merci. Là, je déploie l'échelle. Et on est bien. Parfait. Donc là, on est tout en haut. Oh, OMG. Oh, le petit bain de cum. Let's go.
Embuscade devant. Alors, qu'est-ce qui va se passer devant? Je cours, hein. C'est une petite embuscade. C'est une embuscade fort sympathique, hein. Là, je suis full cum. Ah non, lui, par contre, ça va être chiant. J'aimerais bien le backstab. Il protège un truc ou pas? Il protège que dalle, hein. Il protège que dalle, le cousin. T'es mort. Merci monsieur. Si, il protège le balcon. Il protège le balcon, il y a un petit objet, un petit éclat de titanite, c'est bien. C'est toujours ça de prix. Là, il y a un truc de feu qui ne sert à rien. Donc ça, c'est pourquoi? Pour avoir une belle vue du château? Ah ouais, mais attends, mais il y a encore tout ça là dans le château? Donc là, je vais prendre le truc là-haut, je vais arriver là-bas, je vais aller dans... Oh mais attends, mais c'est énorme! Mais la zone est colossale! Attends, mais la zone est grande de ouf, frère. Ah ouais. Ah ouais. Attendez. J'ai besoin de reprendre un bain, là. J'ai besoin de reprendre un bain, là. J'en ai trop, trop besoin. Non, franchement, ils se sont pas foutus de notre gueule. Il y a une heure, ça a l'air linéaire, les gars. J'avoue, j'ai dit ça, frère. Je suis un fou. Wesh. Quoi, cette statue? C'est une statue ou c'est quelqu'un là? Ça a l'air d'être une statue. Attendez, laissez-moi me balader. Y'a rien là, y'a rien là. Ok. C'est la première fois sur Dark Souls 3, oui. Ils vont balancer 22 gargouilles, c'est ça? Juste devoir cavaler, frère. Je sens bien les gargouilles arriver en boucle là. Bien salopard. Bien bâtard. T'as fait combien de boss? Fais pour l'installation boss sur le chat. Tu as la stat. J'ai un samouraï. Par contre, son attaque est trop stylée à lui. Je vais avoir la même attaque que lui. Pourquoi il a trop de flow comme ça? Mais c'est pas vraiment un samouraï en fait. Attends, mais il a combien de potions lui? Il est au max, hein. Il est sous Jack Fuego. Oh, l'attaque est stylée. Oh, l'attaque est trop stylée, frère. Ok. Putain de merde, cette zone a l'air d'être chiante, hein. Dommage, j'aurais dû le tuer et après le mage j'aurais fumé. J'aurais dû fumer le mage avant. Oh, moi il spam de ouf, hein. Par contre j'ai toujours pas ouvert cette porte, c'est vrai. Non mais une arme, c'est un double katana? C'est exceptionnel. Après ça va là, j'ai un raccourci qui est vraiment bon là. J'ai un double raccourci qui est vraiment bon. Donc j'arrive là-bas assez vite je pense. Ok, donc là, j'arrive ici, je remonte et on est bien. Aïe. Wesh. Là, je peux mettre sous cum direct. Oh, ça va, en vrai, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Hein. J'ai pas perdu beaucoup de temps, là, ça va, là. En vrai, en tant que raccourci, c'est vraiment bien. Bon, le problème, c'est que là, il faudrait que j'arrive à les tuer, là. C'est vrai que je me suis bien fait arroser, là. Il y en a un qui est mort, et du coup, il respawn pas. Ah, ça va, alors. Ça va me tirer dessus. Enfin, je vais tuer le mage avant, il me pète les couilles. What? Il m'a fait une dinguerie là.
Il m'a fait un perfect pari, ça m'a stun, et le samouraï m'a tué. Attends. Attends, mais c'est quoi ce teamplay de fou furieux? C'est quoi ce teamplay de fou furieux, là? Je vais me faire outplay. Ah, par contre, s'il y a une quête que je loupe, si jamais je fais ça, encore une fois, comme d'habitude, vous avez le droit de me prévenir. J'avoue que le 2v1, il était sale. Non, rien. Ok, ça va, là. C'est que si c'est risqué, si jamais je tue pas. Ah, faudrait que je les tue quand même. Pour elle, il faudrait que je les tue. Attends, laisse-moi me soigner, j'ai entendu des magies derrière moi là. Ah, c'est l'autre qui est là-haut. Aïe, ah, c'est pas ce qu'il me semblait. Ok. De toute façon, au pire, si jamais je m'avance, je verrai peut-être l'avancement de la quête. C'est aussi probable. Parce que j'ai peut-être aussi déjà avancé sur cette quête. Faut juste que j'aggro le samouraï, en fait. Et juste le samouraï, c'est bon. Wesh. Wesh, pourquoi il joue en range? Wesh, le coup se vient. Voilà, merci. Ah, mais le problème, c'est que ça aggro l'autre. Je tue le samouraï. Oh, c'est abusé, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, là, vraiment, quand t'as les deux qui te bombardent, sachant que le mage, il pète les couilles, parce que le mage, en soi, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut me parier. Tout à l'heure, je me suis dit, idée de fou, je vais tuer le mage, je vais le baiser, il m'a fait un pari, il m'a fumé. Là, comment il va, le monsieur Sakura? C'est là, toi, Kaelon. T'as Kaelon, hein, le mec de la Zedlan, hein. Le chanteur de la Zedlan, évidemment, hein. Le boss. Vous avez pu découvrir pendant cette session 3v3, on a joué à Shootmania et après on devait jouer à Northgard, mais bon. Disons que le level sur Northgard, ça se voit que t'avais jamais lancé le jeu. Hein. Et tu t'es quand même mis 2 étoiles sur le jeu, mon salaud. Hein. C'est vrai, c'était Starmania, pardon. Le jeu c'était Starmania, pas Shootmania. Comment tu vas? Ça se passe comment la F1 là? Oh c'est bon ça. Ça je peux pas éviter, après je suis baisé après. Mais je suis baisé une fois que je suis stunt. Et merci à toi Kaelon du coup pour ton sub. Quel boss. Kaelon à moi. Espèce de salope. Mais c'est réel en même temps. À vous c'est vrai. À vous t'avais jamais lancé Northgard. Sur sa fiche il s'était mis un solide 2-3 étoiles je crois sur sa fiche Northgard. Moi je me suis dit ouais il a lancé le jeu, il connaît le truc frère. Il arrivait pas à sortir de sa base le couze. Il n'arrivait pas à se battre contre des loups. C'était trop marrant. Après, par contre, à Shootmania, no fake, t'étais bon. No fake, t'étais plutôt bon, tu vois. Si jamais t'avais été bon sur Northgard, j'attends, vas-y, go, tu vois. On me fait passer. Il va me cracher du cum encore? Ok, c'est bon. On a évité le cum. On est bien. Ok, là on monte en speedrun là. Mon perso avait plus de peau au début du jeu où je rêve. Alors, au début du jeu, mon perso il était stock, hein. Il était clairement stock, hein. Mais depuis, il a perdu un peu en chair. Il a fait la quête d'Andri jusqu'à la fin. Si tu parles du fait que je l'ai poignardé, Andri, oui. Je sais pas si c'est la fin de la quête, mais en tout cas, sache que je suis marié. Et que j'ai donné les yeux à l'autre là. Comment elle s'appelle? Les yeux à ma prêtresse, ma gardienne du feu. Wesh, il veut pas rush le coup. Wesh, arrête-toi, c'est bon. C'est bon, gamin. Voilà, voilà, alors tu vas faire quoi, bouffon? Tu vas faire quoi, bouffon? Non, mais par contre, c'est de l'abus. Ça, c'est le truc où ça me pisse à la gueule. Tranquille. On voit même pas le lock quand il fait ça. Oh. Attends, c'est ça le double katana? Incroyable, attends, ça a l'air d'être super stylé. C'est fort ou pas le double katana pour savoir?
OMG ? Double katana comme sur Elden Ring ? Onikiri et Ubadashi. Vas-y, tu sais quoi, on va tester. On va même aller level up l'arme. Tu sais quoi, on va même aller essayer de level up l'arme. Ça fera peut-être moins mal que les lames du mercenaire, mais c'est pas grave. Le nom a trop de flow, donc ça me va. Teste le moveset pour savoir si ça te plaît avant. Attends. Ouais, c'est comme sur Elden Ring, les coups. C'est pareil, frère. Attends, mais j'ai pas changé d'arme aussi. Je suis un con. Ok, ça, donc, tu peux faire double auto. Attends, mais tu peux pas faire plus. Attends, j'ai plus d'endu. Ok, ça c'est le triple auto. Très bien. Triple auto, ça passe. Weapon art, c'est quoi? Non, c'est trop par contre. C'est trop le flow, frère. Non, c'est trop le flow. Est-ce que t'as une frame d'invincibilité sur le dash, là, par exemple? Est-ce que j'ai une dash... j'ai une frame d'invincibilité? Si c'est le cas, c'est broken. Ok, non. Dommage. Dégoûté, frère. Et l'attaque lourde, c'est ça. Mais je m'en fous, je fais pas d'attaque lourde. Donc je fais juste ça. Je ferai toujours double attaque. J'améliore. What the fuck? Il m'a donné quoi? Verte lame du faucon du Breuil, c'est quoi? Pourquoi? Attends, il m'a donné ça pourquoi? Bah, j'ai pas lu, je pense. Pourquoi il m'a donné ça? C'est ça que je veux. Voilà, c'est plus 10. Mes katanas sont plus 10, c'est bon. On va voir, on va tester. Est-ce qu'il faut que j'aille parler au PNJ là? Est-ce que j'ai des trucs à donner au PNJ? Je vais voir. Petit tour de table. Ah oui, tranchant, faut que je mette en tranchant aussi. Bien vu. Ouais, ça c'est bon. C'est quoi le nom de l'item qu'il m'a donné? C'est quoi l'item qu'il m'a donné? Pas dans les matériaux? Verte lame, c'est ça, verte lame du Breuil, c'est ça. Exactement, verte lame. Donc c'est quoi verte lame du Breuil? C'est pas un... Qu'est-ce que c'est? C'est pas un anneau? C'est pas un anneau, ça ressemble pas à un anneau. Mais c'est pas dans les objets clés, non? Ah si, c'est là. Ok, verte lame tachée de sang du faucon du Breuil, un déserteur de la Légion des Morts-Vivants. Traditionnellement, les soldats de la Légion des Morts-Vivants emploient la verte lame pour adresser à autrui un message de la plus haute importance. Rallier au plus vite le mausolée de Pharaon, un seul être peut marcher sur les traces des dragons anciens. Attends, du coup, il faut que j'aille au mausolée de Pharaon? C'est pour les serments. Elles sont mes armes, elles sont là. Acérées, voilà, comme ça, ça passe en full dex. C'est bon, j'aime tranchante, on est d'accord, j'aime tranchante, hein. C'est bon. Et du coup, en termes de dégâts, par rapport aux lames du mercenaire, c'en est où? Merde, c'est où? L'âme du mercenaire, c'est... Là. En vrai, ça va, non? Je suis à 183 plus 499. Et là, je suis à combien avec mes katanas? 192 plus 217, donc j'ai plus de dégâts. Je tape peut-être moins vite, mais j'ai du saignement en plus. Et ça fait plus mal en fait. Ça tape moins vite, mais ça fait plus mal. Du coup, est-ce que je dois aller au truc de Pharaon? Mausolée de Pharaon, est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'ai pas un endroit comme ça? Bastion de Pharaon. Il est où le mausolée de Pharaon? C'est que je sais pas où il est le mausolée de Pharaon, j'ai oublié. Le château de Pharaon. Vieux loup. C'est que le vieux loup, je crois. C'est quoi? Dites-moi, vieux loup ou salle du boss? C'est pas pareil, hein. C'est pas l'arène des veilleurs. C'est quoi? On va voir. On va voir. Moi, j'aime bien faire les quêtes, c'est vrai. Juste, je sais pas pourquoi il m'a donné l'item. Faudrait que j'aille fumer le mage après, hein, évidemment, après on dira fumer le mage. Ah, c'est ça le mausolée? C'est pas ça le mausolée.
Parce que là, après, c'est la suite, là. Ça, c'est les catacombes de Carthus. Bastion de Pharaon. Et un PNJ. Ah oui, en effet. Wesh, c'est qui? Wow! Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you... Donc c'est ça la quête, ok. Faucon du Breuil, le déserteur. Ah merde, j'avais pas équipé mon arme. J'avais pas équipé mon arme en deux mains, my bad. Putain, il a l'attaque de... bah des veilleurs. Il a l'attaque des veilleurs. Je sais pas si c'est les veilleurs qu'on s'annonce, c'est Pharaon. C'est qui? Oui, c'était ça. Quoi? Il est fou lui par contre. Il m'a volé mon truc là? Ta gueule. Oui, c'est encore un coup, OMG. Ah par contre il ne veut pas... Oh par contre l'attaque de course elle est pas ouf. J'ai changé d'arme, ouais, je passais en double katana. J'ai l'impression de faire moins mal, mais je suis pas sûr. C'est peut-être lui qui tend plus. On verra. Bah je vois, hein. Est-ce que c'est lui qui tend plus ou est-ce que c'est les armes qui font juste moins de dégâts? Ce qui est possible aussi. On verra. Merde. Forcément. Non, c'est lui qui tank un peu plus. Après, ça fait... Ouais, ça tape, hein. Ouais, ça tape quand même les lames du mercenaire, hein. Oh, il a chargé une attaque strong, frère, le couze. Ah oui. Mais ça va. L'âme que t'avais était broken. Tes katanas sont pas en plus 10. Si, c'est en plus 10, mes katanas. Mes deux katanas sont en plus 10. Regardez. Onikiri et Ubadashi acéré plus 10. A truc, j'ai tout là. Merde, à chaque fois. Aïe. 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 L'attaque, par contre, je dois m'habituer à ne plus faire la dash attack sur cette arme. Le jump est trop bien, ceci dit. C'est trop stylé. Le jump est trop stylé. Ah bon, par contre ça fait pas trop faut pas trop en abuser quoi. Faut pas trop abuser de ça. Ça fait mal, ouais. Oui, ça fait très mal, ça fait très mal. Non non, le kata fait très mal. Non mais elle abuse par contre, abuse par contre. Après lui tank, hein, c'est juste que lui tank, donc forcément en termes de dégâts je suis pas non plus ouf. Ah. C'est si je suis vraiment loin, tu vois, je peux le faire. Ah, non. J'essaye d'analyser, tu vois, là je suis en plein apprentissage de mon arme. Faut jouer aussi au niveau du stagger, l'attaque strong. Ah c'est loin. Hein. Au niveau du stagger, est-ce qu'il y a un stagger sur cette arme? Ok, ça c'est l'attaque. Oula. Non c'est trop. Non c'est trop. L'attaque, la dash attaque c'est trop. Sur l'âme du mercenaire, la dash attaque elle est trop forte. Sur le double katana c'est de la merde. Donc si je cours, faut que juste je fasse un R1, je pense. Si je cours, je fais un R1. Je vais voir. Ah c'est long quand même. Ah non, c'est long aussi, hein. Non, c'est abusé. C'est trop. Je suis trop habitué aux lames du mercenaire. Je suis trop habitué aux lames du mercenaire à faire la dash attack. Tu te suicides dans ses attaques, surtout. Faut que j'attende qu'il tape avant de taper, je pense, c'est tout. Mais je suis habitué à bourrer avec l'avenue mercenaire parce que c'est trop fort. Mais lui en fait ça va. Hein.
Non. C'est qui. En fait, le temps que je mets à attaquer, je me dis là j'ai le temps de taper. Mais il fait quand même des bons dégâts. En PvP, t'as les stats de posture et les armes lourdes en ont plus. Oui, de toute façon, là, y a pas de. Là, y a pas de délire d'armes de posture, juste il me déchire quoi. Non, mais j'ai même pas le temps de rouler directement après. C'est qui ce mec? Faut jamais que tu joues à l'espadon. Mais en fait, à l'espadon, c'est différent parce que quand je veux mettre un gros coup d'espadon, le mec va être stun. Donc je pourrais le taper. Et ça va lui cancel son attaque. C'est ça qui est fort sur l'espadon. J'ai déjà joué espadon. Juste espadon normal, j'ai trouvé ça trop fort. Oh. Ok, full weapon art. Full weapon arted. C'est les armes OP du jeu. En fait, c'est ça le truc. Si je me disais, c'est quand même abusé que tu trouves des armes aussi OP en tout early. Non, par contre, le problème, c'est qu'il me OS véritablement, quoi. Lui, c'est celui qui a Firelink au début du jeu qui donne du lore. Ah ouais? C'est celui qui fait la salope un peu? Non, 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 c'est de l'abus, frère. C'est de l'abus. À chaque fois, il tape, il bourre. Je vois qu'avec les lames du Merco, j'avais déchiré tout à l'heure. Hein. Là, avec ce double katana, je suis en plein training du katana, là. Vas-y, tape. Et après, je dodge. Wesh. Ok, je pense pas qu'il avait autant de range. Par contre, il veut pas s'arrêter de taper, le cousin. Il veut pas s'arrêter de taper, lui. Non mais frère, c'est impossible, je n'ai aucun timing gros. C'est ridicule. Est-ce qu'il t'a reçu une clé Street Fighter 6 en MP Twitch? Quoi? Mais wesh. Qui est le roi qui m'a envoyé ça? Attends, je vais check ça après. Je te laisse même pas parler cette fois. Pardon. Je vais regarder ça, attendez. Je vais regarder MP Twitch. MP Twitch. Alors. MP Twitch, monsieur Medisama. Medisama qui m'envoie une clé. Je regarde la clé. Est-ce qu'elle marche? Je vérifie. Ajouter un jeu. Activer un produit sur Steam. Putain, mais le mec est un roi, frère. C'est quoi ce bordel, Théma? Activation terminée. Street Fighter 6, pré-purchase. Le code d'activation, il marche. C'est de la folie, frère. Mais Mehdi. Mais Mehdi, mais tu es un roi. Merci à toi, Mehdi Sama, pour ce jeu. Non, c'est le boss. Attends, c'est le boss. Attends. Je vais lui spam des émotes de gros bisous. Des émotes de gros bisous pour Mehdi Sama, par contre. Attends. Spam le chat. What the fuck? Il passe VIP. Attends, il passe VIP aussi. C'est bon, il est déjà VIP, c'est bon frère. C'est bon, c'est validé, merci. Grand merci à toi. J'étais en mode, attends, mais c'est du hint. Non, non, pas du tout, c'est pas du hint, c'est pas du mytho. Ce mec est un boss. This shall be no petty theft. As the true dragon, I shall what is rightfully mine. Wow, monsieur, il a fait full weapon art. Non mais c'est impossible. C'est impossible, que il tape frère. Que il tape. Je suis fatigué. Je vais le voir dessus prochain stream. Ça marche. Bah écoute, déjà on finit Dark Souls 3 en vrai. On a le temps de finir Dark Souls 3. Et après, pas trop. Attends, mais avec les lames du Merco, est-ce que je le déchire ou pas? Je vais voir. Est-ce qu'avec les lames du Merco, est-ce que je le déchire? Est-ce que j'ai plus de temps pour le taper déjà? Merde, déjà il faut que je mette ça en double arme. Voir si vraiment. Bon bah là non. OMG spam Street Fighter ce week-end. Bah je pense que déjà on fait tout le jeu Dark Souls. Je pense qu'on commencera plutôt. Street Fighter, je pense qu'on commencera ce début de semaine pro, je pense, on jouera un peu. 212 de dégâts. Pas mal 212. En fait, ça cancel. Les lames du mercenaire cancel beaucoup plus que le double katana. Ou c'est moi qui rêve?
Ah, bon là je me suis fait weapon arted. Ça stagger beaucoup plus hein. Et en fait l'âme du berserker c'est ça qui est OP, c'est que tu vas cancel des attaques qui t'auraient tué. Bon bah pas sur l'attaque sautée évidemment. Mon rêve de devoir te la coller avec le vieux monsieur sur Street Fighter 6. Mais je crois que le vieux monsieur il est très fort hein. Le vieux monsieur il est très très chaud hein. Il a des milliers d'heures sur d'autres versions de Street Fighter. Ouais bon en vrai de vrai il est chaud quand même hein. Dans tous les cas il est chaud. Après ça se rattrape hein. Ça se rattrape mais c'est vrai que le vieux monsieur c'est joué quoi. Vas-y faut que j'arrive à le tuer lui. Il est plus chiant que prévu hein. Ah le la patate. Bon. Ok j'ai capté. J'ai capté comment jouer contre lui, c'est bon. Je dois juste jouer comme une salope. C'est tout. Je dois juste jouer comme ça. Vise Fayou d'abord. Par contre, j'ai vu Rao jouer, je pense que je le déchire. C'est win. C'est win. J'attends juste une attaque. Il fait l'attaque sautée. Voilà. Ah bon, attendez, par contre, j'étais pas prêt. Il était en train de parler. Il était en train de parler, le couze. Que il parle, que il débite. C'est bon, frère. On est fatigué. On est fatigué. Oh, gamin. Là, je peux lui mettre un coup. Ah, là, je recule. Ah, Open Art, il fait son truc. Là, je peux mettre... Ah non, je peux pas. Je peux pas. En fait, il a pas fait une attaque verticale. Il a fait une attaque horizontale. C'est Osiris 2 ou quoi? Mais je te jure. Que il débite, hein. Il est mort. Après, on va aller chercher le mage, après. Le mage en haut, là, qui nous a cassé les couilles aussi. Voilà. Le fight est compris hein. Ok ça je fais attention, attaque horizontale je veux pas go, attaque horizontale je veux pas go, attaque horizontale je veux toujours pas go, attaque verticale je veux lui mettre un coup et je recule. Ah j'aurais pu lui mettre un coup là peut-être. Oula, la range du truc pris. Il m'a touché ou pas? Il m'a pas touché en plus. Ah là j'aurais pu là. Je vais le terminer avec mon weapon art juste pour le flow. Il va essayer de se soigner. Même pas. Bon. Wow. Attention par contre. Ok, attaque horizontale, on tape pas. Attaque horizontale, on tape toujours pas. Wesh, c'est bon. Attaque horizontale, on tape pas. Attaque horizontale, on tape pas. Attaque. Oula, weapon art, on tape pas non plus. Putain! Abuse du weapon art lui aussi C'est bon, tu midroll là? Je pense pas, non, si. Je midroll? Avis sur les katanas. Bah pour l'instant, je ne sais pas. Je ne tape que contre lui, j'ai l'impression que c'est pas ouf. Ah oui, je suis en midroll. What the fuck? Je tire ma couronne dorée. Ah, c'est ça. En fait, c'est ça, les gars. Les gars, j'ai capté. Ok, on met un coup. Ah, weapon art, on recule. Ok. Ah mais ouais, mais c'est pour ça. Putain, les katanas sont plus lourds que mes larmes du mercenaire. C'est win, regardez, c'est win. Non mais regardez bien maintenant, c'est bon. T'as raison, t'as raison. C'est ça qui me baisait depuis tout à l'heure en fait. Oh là là, abuse. Il a fait attaque horizontale weapon art. Non mais ce mec est un smurf hein. Remets l'autre couronne. Mais je crois que j'ai pas de stuff. En fait là je suis déjà à 27%. Et un haut qui me fait moins de pourcents que ça, ça m'étonnerait quand même. Hein. Ah regarde, tous mes hauts me font au-dessus de 30% quasiment. Sauf ça là, tu vois, le bandeau du vieux sage, la couronne de brunante, enfin tu vois, des trucs de merde quoi. Le masque en tissu. Et l'autre couronne me fait passer à 20, 34. Donc c'est trop lourd. What is rightfully mine.
Merde. Oh, ça va, je mérite. Je peux le taper que sur son attaque verticale, c'est une folie, hein. Il va se soigner. Ah, je pensais qu'il allait soigner. Putain, j'ai vu sa vie, je me suis dit. Il va essayer de se soigner et je vais le tuer à ce moment-là. Sauf qu'en fait, il a été trop smart. Il a bait ça et il m'a tué. Trop malin, ce mec. C'est bon. Ah, j'aurais peut-être plus là. Merde. Merde. Je pensais qu'il allait faire une attaque verticale. My bad. En fait, je dois le taper que là-dessus. Hein. J'ai acheté Dark Souls 3 ce matin, des conseils avant que je commence le chat. Mets des points de vie. Si jamais tu veux pas trop souffrir comme moi, mets des points de vie. Ou alors, sinon, c'est un vrai bonhomme, n'en mets pas. Et force. Mais au moins, tu seras heureux quand t'auras fini le jeu. J'ai troll. Non, par contre, c'est abusé qu'il me touche d'ici. Mais ça va être fun. Et surtout, ouais, n'oublie pas d'améliorer tes armes. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Il a des points de compétence limités ou c'est comment là? Il peut faire son weapon art à l'infini ou c'est comment? Augmente le son, les OST aussi c'est important. Ouais, les OST c'est grave cool. Ok, continue, attaque verticale, vas-y, attaque horizontale, allez, coup des stocks, je peux pas punir, attaque horizontale, je peux pas punir, attaque horizontale, je peux pas punir, frère, mix-up un peu, frère, c'est bon. Oh, gamin. Ah, j'ai tenté de mettre deux coups, mais je peux vraiment pas mettre deux coups, en fait. Je voulais vraiment voir si j'avais un time pour mettre deux coups à la fin de son attaque verticale, j'ai pas. C'était des tests, hein. Ah voilà, enfin je vais lui mettre un coup. Ah je vais lui mettre un coup. Oh j'ai raté mon coup frère. En fait je peux pas le taper avant qu'il me tape parce que je lag trop sur mes coups. Il est long ce fight hein. Il est lent ce lait. Oh abuse, le pire c'est que je touche pas ici. Ah. Vas-y frère, il m'a pété les couilles gros. Parce que ça sur l'attaque verticale, enfin, ah ça je peux. Ça j'aurais pu roll in et lui mettre un coup. Ça je peux, là je peux lui mettre un coup et je recule. Ça aussi je peux pas lui mettre un coup. Ah, je peux pas. Ça, non, oula, oh je pouvais. Putain frère, c'est impossible. Il fait tout le temps les mêmes attaques de merde. Il fait tout le temps les mêmes attaques de merde. Il a level up, maintenant il roll direct après son coup vertical. Il a tout compris hein. Il a tout compris hein. Bah juste roll sur ses attaques. Bah si je roll sur mes attaques, mais imagine, tu vois. Il fait attaque horizontale. Bon là tu vois je me fais one shot parce que c'est le weapon art. Mais tu vois sur l'attaque horizontale, des fois si j'essaie de mettre un coup sur le coup de l'attaque horizontale, il va refaire une attaque horizontale et je suis mort. Donc c'est de la merde. C'est le seul dragon, par contre, c'est vrai, c'est lui le seul dragon. Hein. Regarde, je vais tester. Hein. Le problème, c'est que des fois, il va faire ça aussi. Aïe.
contre, ça, ça te lock. En fait, il te plante le couteau dans le pied. Et après, il te met le gros coup en rond, là. C'est trop relou. Tu vois, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, je roll in sur son coup horizontal. Si j'essaye de le taper à ce moment-là, il me baisse forcément. Donc c'est de la merde. C'est pour ça que je dois juste attendre qu'il fasse son attaque verticale. Voilà. Ah, je dois le roll in, ça. Oh, abuse. Oh, abuse, frère. Il me pète les couilles. Avec les armes que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de timing de ouf. Il est plus chiant que beaucoup de boss, hein, no fake. Hein. Et surtout, en plus, je suis en train d'expérimenter mes katanas. Du coup, c'est pas toujours très clean. Ça, c'est bon, ça. Ah non. Donc, grosse attaque verticale, je peux pas punir. Enfin, c'est du rundown, c'est ridicule. Grosse attaque verticale, il met 10 secondes à charger son attaque, il tape au sol. Pas de lag après. Non, mais tu fous ma gueule. Hein. Je peux pas hit sur la canalisation. Non, parce qu'en fait, je ne le cancel pas. Je ne cancel pas ses animations. Ça, le souci. Quand je le tape. Tu vois, là, par exemple, je peux le taper un peu. Peut-être qu'après le coup des stocks, je peux. Je pensais que j'étais out of range. Je pensais que j'étais pile poil out of range. Je pense que le backstab se tente. Je pense pas que ça marche. Ça marchait bien. Tu continuais des roll-ins sur ses attaques verticales. Ouais, le problème c'est qu'il a, il a mix up. Il a mix up et il veut plus faire d'attaque verticale, le Kouz. Il a evolve. Il a compris que les attaques horizontales c'était la clé. Bon, weapon art, je peux pas punir. Attaque horizontale. Attaque horizontale. Attaque verticale, voilà. Deux hits, même pas, putain. Ok, j'ai aussi à lui mettre un coup. Oh, mais abuse. Je peux même pas punir ça et c'est ridicule que je puisse pas punir ça. Oh, abuse, arrête de roll, frère. Tu vois le truc de fou que ça fait? Non mais ce mec est un smurf hein. Ah là j'aurais dû roll-in. Bon, attaque horizontale je peux pas punir. Ah c'était une attaque verticale, j'ai pas reconnu, my bad. Attaque horizontale. Non mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Il se passe quoi avec ces armes si tu l'appuies sur L2? Je jump, mais sauf que j'ai pas de frame d'invincibilité donc. Weapon art ça stagger, tu vas voir que non. Tu vas voir que non, regarde, regarde bien. Regarde le weapon art, attends. Bon là oui. Après j'essaie de le faire, tu vas voir. Oh, AMG, t'avais raison. Ce mec avait raison depuis le début. Oula. C'est broken en fait. Le weapon art est broken en fait, c'est bon. J'ai dit tu vas voir que non. Bon en fait si. Pierre de torse de dragon scintillante, pierre de tête de dragon scintillante. En fait, c'est juste pour se transformer en dragon, ça c'est de la merde, non? Bah écoute, merci. Merci, mec. C'est rare. D'habitude, les infos de chat, c'est de la merde. Quand je fais cette chose, c'est du jamais vu. C'est du. C'est mon weapon art. Mais tout à l'heure, on est bien d'accord que j'en ai mis un qui a pas cancel. Ok. Oui, ça dépend des attaques qu'il faisait. Je pense que c'était sur des moments creux. J'appuie sur L2. Ça a trop de flow, frère. Alors, j'ai tué. T'en bats les couilles? Oh, ok, t'en bats les couilles. Ok. C'est juste pour avoir ces items-là. Très bien. GG, first try. Ouais, on l'a fumé. Hein. Il a de l'hyper-amort sur certaines des attaques. Ah, ouais, ouais. Stylé. J'étais où? Dans les archives? Non, c'est pas ça. Hein.
C'est où, wesh? Ouais, c'est là, si, c'est grandes archives, hein. J'ai déjà fait ça. C'est là, je crois. Un V1 contre André, main nue, quand tu auras fini le jeu, pitié. Le problème, c'est que si je tue André... Après, il n'y aura plus d'autres DLC. Une fois qu'on aura fini tous les DLC et tout, vas-y, si tu veux. On a perdu beaucoup de temps sur ce mob de merde, mais tranquille. Il fallait lui montrer de quoi... Voilà. Il fallait lui montrer qu'on le fume. Tu récupères où le double katana? J'ai récupéré tout là-haut, là. Là où il y a genre 3 persos que tu tues et qui te donnent des items. Donc, tu vas voir. Sauf qu'il me reste encore le mage à tuer. On va voir. Du coup, est-ce que les doubles gargouilles, je les déchire, là? C'est que cette attaque chargée, là... J'aime pas du tout l'attaque chargée des double katana. Les dégâts sont énormes. Les dégâts sont vraiment énormes. Mais l'attaque chargée, elle est... Fou, elle est vraiment bof, hein. Pas l'attaque chargée. Ça, là, le double coup des stocks. J'aime pas du tout, ça. Alors que sur Elden Ring, il me semble que l'attaque chargée, j'aimais bien. Il me semble que l'attaque chargée d'Elden Ring, c'est un peu comme les lames du mercenaire, en fait. Un attaque lourde en courant, c'est ça. Mais ça te fait un coup, tu vois. C'est un des katanas, pas les deux directs. Bon, c'est pas ouf. Généralement, quand t'as double katana, je préfère... taper quoi. Oh non, je suis full cum. Faut que je me cache derrière l'échelle, vite. Ah, je suis bloqué. J'étais full cum, à partir du moment où t'es full cum, c'est galère. Mais faut que je m'habitue à lâcher la course quand je veux taper avec mon katana. Après, le double stock, ça me portait de zinzin, c'est vrai. C'est vrai que ça me portait de gingin. Même là, tu vois, c'est pas ouf, c'est pas flemme. Personne est monté. Ah, ils sont tombés. Ok, donc je sais qu'en dessous de moi là, il n'y a rien. Au moins, les mobs m'ont dit que juste en dessous là, tu feras gaffe, tu tombes, tu meurs. Ils m'ont spoil un chemin, il n'y a pas. Faut que je prenne le cum. C'est bon. C'est vrai que ça tape un peu moins vite tout de même. Faut être honnête, ça tape quand même bien moins vite que les lames du Merco. Ok, donc là c'est ce qu'il me fallait là. Putain, c'est ce qu'il me fallait ça. Donc là il y a le mage. Et j'ai l'impression qu'il y a un endroit que j'ai pas encore fouillé dans cette zone. Le mage qui du coup me met des counters des fois de fou. Attends, mais que sont de l'aile dorée, c'est quoi ce bordel? Non, ça me pisse partout dessus là, ça aussi. Un peu relou. Oh, non, c'est... Aïe. C'est bon, il a fini un peu là. Oh, c'est bon. Ça pète trop les couilles ça. Ça va. Il m'a mis un perfect pari encore. Mais il m'a remis un pari. Mais ce mec est injouable. Je peux pas lui mettre une petite chop spell. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule. Dans ta gueule, gros connard, va. Le mec, il est trop pixel sur ses paris. Hein. Bâton du sage de cristal. Merci, monsieur. Et là, on y va. Et là, on s'avance. Entre ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Attends, il y a un levier. Où nous mène cet ascenseur? Weapon art de l'arme est ouf. Le weapon art de l'arme est trop stylé. Et là, c'est quoi? Hein? Et donc là, c'est là. Ok, c'est parce que l'ascenseur était pété ici. Ah ouais! Ah oui, donc t'as un sacré raccourci. Oh, le raccourci de malade! Oh, le raccourci de malade! C'est ridicule carrément! Non mais là c'est abusé comme raccourci! Ah oui! Ah oui! Non mais d'accord, je comprends mieux.
Un petit item ici. On peut aller sur les toits, là. Est-ce qu'il y a un item à prendre par là? Là-bas, c'est là d'où on vient. On n'a jamais été sur ces toits-là. Là. Faire un tour, hein. Faire un grand tour. Je crois qu'il y a un dragon là-haut. Les gars, je crois que ça sent le dragon là-haut. Regarde l'éclipse, pitié. C'est avec l'éclipse, avec le petit dragon derrière. Non, c'est quelque chose ce jeu. Hein. C'est fort. C'est très très fort en DA ce jeu. Hein. Ok, y a pas grand chose autour. Est-ce qu'il y a un objet que j'aurais oublié quelque part? Je ne pense pas. Hein. On est d'accord que là j'ai rien oublié. Ok, j'ai rien dit. Fragment d'excuse, bon, pour augmenter une potion, on s'en fout un peu, mais c'est toujours ça de prix. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas aller là. On va fouiller chaque endroit. Bien comme il faut. Ah rien, des taches de sang donc. Bizarre. Des taches de sang égale mob qui arrive. Ah, 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 des gargouilles d'or. Ah, il fait deux hits, ok. Ah oui, des gargouilles en armure d'or, bah c'est super. Bah c'est super ça. Ça a l'air d'être intéressant. Donc on va sortir là. J'ai pas été en face, du coup j'étais à droite tout à l'heure. Mais je peux aller tout droit aussi. Donc il y a un chemin tout droit. Il y a un chemin tout droit avec un soldat qui a l'air là-bas, qui a l'air de sécuriser l'entrée. Et il y a le chemin là-haut. Donc je vais d'abord faire tout ce qui est là-haut. Je vais d'abord faire tout ce qui est là-haut. Et après on ira tout droit. Allez, descendez. Je vous ai vu descendre. Il y en a une qui va tomber là. Ah merde, les deux sont tombés là. Ça, c'est relou. Attends, mais il y en a combien là, hein? Wesh, attends, mais. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Ça me rappelle de très très mauvais souvenirs. Des souvenirs sur Elden Ring qui m'ont pas fait plaisir. J'ai cru en voir 3, il y en a 3 ouais. Après, elles sont plus faciles qu'Elden Ring quand même. En termes de dégâts qu'elles prennent et tout, ça va. Mais tranquille. C'est pas des boss en même temps, oui, évidemment. C'est juste des petits mobs quoi. Par contre, est-ce que si je les tue, ça respawn? Parce que si je les tue, ça respawn, ça me sert à rien de les tuer, j'en m'en bats les couilles en fait. Virtuel. Oula, oula, wesh, Garen! C'est un spot de farm pas trop mal en plus. Ah ouais, vraiment? J'imagine qu'elle donne beaucoup en plus. Bref, faudrait quand même que je les tue au moins une fois pour la forme. Pour me dire, ok, quand même, je les ai tués, c'est fine. Le meilleur spot de farm. Ah oui? Non, t'abuses. Weapon art. Bah, le truc, c'est que je pense pas que. Je pense que la posture qu'ils ont, c'est délirant, je pense que la posture qu'ils ont. Je pense pas que je puisse les déstabiliser sur mon weapon art. On va tester, hein. Plus de 10 000 par mob, vraiment. C'est insane. Mais le truc c'est que c'est bien si tu les déchires. Si tu les déchires pas, c'est un peu... Ah ouf quoi.
Ah, celui qui tombe là, vas-y, viens. Aïe. What? Il fait pas Garen cette fois? What? La range! Oh, oh la range de loco! Oh la range de loco! Ah ouais, non, j'étais pas du tout prêt à ça. Son arme fait 4 mètres déjà, mais ouais, elle va trop loin son arme. Alors que pourtant je joue double katana, donc niveau range je suis pas non plus à blâmer, ça va. Niveau range je suis pas mal, mais bon, le problème c'est qu'il a une arme colossale quoi. Une arme qui fait toute la map. C'est que en fait celle de gauche elle est toute seule, mais les deux de droite, ça va être très chiant les deux de droite. Aïe. Wow. Wow. Wow monsieur. Wesh. Mais frère, ça jamais. Attends, il vient de me pisser à la gueule, non? Bah oh, merci. Merci d'avoir fait ça. 13 000. Ah oui, en effet, c'est pas mal. 13 000, c'est pas mal. J'ai lancé un petit couteau, lui. Attends, une petite bombe. Comme ça, il va venir vers moi. Mais il vient tout seul comme ça. Ah, c'est le même. Oh. J'ai perdu du. Ah. Ah par contre ça quand ça touche. Quand ça touche, ça te touche. J'étais en mode c'est bon, je suis tranquille. Mais en fait non, quand ça touche, ouais, t'es. Ouais, t'es dans la merde. Ouais, ok, il blague pas. Donc il y en a deux avec des grandes haches et un avec des double petites haches. Double machette, ok. Enfin, machette. Bon ça, deux petites haches. Ouais, ça va. C'est vrai que du coup, ici, tu dois faire 60 000 âmes par 60 000 âmes et t'es tranquille, quoi. Tu fumes les mobs. Et t'es bien. Y'a quoi là-dedans? Je me demande c'est quoi là-dedans. Oh non. Ok, ça va. On l'a eu vite cette fois-ci. Wow. Trop tôt. Trop tôt ma deuxième roll. My bad hein. Ils sont archi simples à backstab en plus. Ah ouais? Ah c'est là, tu le mets dans le dos, t'arrêtes d'obliger d'appuyer R1, ça les backstab. C'est insane en vrai. J'aimerais bien les tuer les trois au moins une fois, tu vois, juste pour l'ego. Juste pour me dire, ok, je les ai tués tous les trois, c'est bon. Ok, ça c'est broken ça. Avec une dague, c'est trop simple du coup. Mais est-ce que je peux les backstab avec un double katana? Pas sûr. Et surtout, est-ce que le backstab leur met des gros dégâts? On verra, je vais tester. Test, on verra. Ouais, donc clairement, je vais tester là. Je vais essayer de backstab un des gros. Toutes les armes peuvent backstab. Dans ce cas-là, pas d'excuse. Trop tôt. Ouah, trop tôt de ouf. Je pensais en plus que j'allais me faire sauver parce qu'en fait, si jamais j'étais un poil plus bas. J'allais potentiellement me faire sauver par le décor avec l'attaque verticale qui aurait juste tapé le décor et ça l'aurait bonk. Backstab avec toutes les armes sauf les fouets ou les torches. Oui, mais en même temps, heureusement les torches. Et les fouets, j'avoue que backstab avec un fouet, c'est un peu bizarre. Il a attendu pour lancer son coup. Trop smart ce mec. Trop smart ce mob, hein.
On dirait bien que c'est un bon spot de farm, ouais, mais pour qui? C'est ça la question. C'est un bon spot de farm, mais pour qui? Trop envie qu'on me backstab avec un fouet. Oui, tu vas péter un plomb ou quoi? Ça va, t'as les choses à nous dire? T'es en manque? Tu veux sortir de l'ordre des mages noirs? Enfin, dis-nous, hein, c'est, si t'as envie. On pourra pas t'aider, mais. Ouah, là, j'ai voulu attendre. En fait, j'ai voulu trop attendre là cette fois. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, il fait son attaque, ok, c'est long. Mais je me suis dit, c'était peut-être pas aussi long quand même. Il existe une classe mage comme sur Elden Ring. Oui, il y a des. Tu peux jouer magie sur ce jeu aussi, non? Tu peux pas jouer pyromancien, un truc comme ça? Il me semble que t'as des armes magiques dans le jeu. Non, par contre, c'est le meilleur ascenseur de l'histoire. Hein. Je vous jure que cet ascenseur-là, il est trop salvateur. C'est une folie. C'est une folie cet ascenseur, comment il met bien. Hein. Eh, tu peux même jouer magie noire aussi, non? Je crois que t'as magie noire et magie de feu. Magie, miromancie, miracle, ok. Ouais, beaucoup de dégâts, les gars, faut le dire très vite, hein. Non, trop tôt. Putain, mais par contre, ça, c'est abusé. Ce coup-là, il a abusé, hein. Par contre, il est très facile à backstab, en effet. Mais 500, bon, beaucoup, beaucoup. On a vu Pierre. Par contre, quand il va faire son truc, quand il va commencer à cracher des trucs dans les airs, ça, c'est le bon moment pour le backstab. Je pense que je backstab juste à ces moments-là et c'est broken parce que ça le cancel le truc et ça me permet de lui mettre des dégâts. Ça le stun, c'est bien. 500 litres, plus quand il se relève, c'est pas mal, oui, c'est vrai. Quand il se relève, je peux lui mettre deux coups faciles, je peux lui mettre facilement 1000 quasiment. Après, est-ce que le R2 chargé met plus de dégâts que la double auto? J'ai l'impression que sur les armes duo, c'est nul les attaques chargées par rapport au double auto. Je ne pense pas du coup que ça fait plus de dégâts, ouais. En tout cas, de tout ce que j'ai fait pour l'instant, les doubles attaques font plus de dégâts que attaques chargées. Moi, me régène du fait, je suis pas full life, merci. Non, vite. Voilà, comme ça, ça le cancel. Ça, c'est trop bien, ça, par contre. L'attaque à 212, hein. Wesh. Wow, 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 wow! Wesh! J'aurais du full rollout. En fait, si je fais full rollout, ça va. Ah, j'avoue que par contre, il m'a fait une Garen là. Totalement baisé, putain. Mais en vrai, en dégâts purs sur les doubles autos, j'ai l'impression qu'il fait plus de dégâts que sur les lames des mercenaires, donc c'est pas mal. Et je pense que l'âme du Mercer, c'est aussi une arme qui est beaucoup jouée en speedrun parce que c'est une arme que tu trouves très tôt. Mais est-ce que c'est vraiment LA meilleure arme? Tu vois? Je suis pas sûr. En termes de stats purs. Delay des fois il delay pas. Je capte rien ce mob. Il a des changements de timing, frère, c'est Godric. C'est une arme que t'as level 1. Oui, ça c'est une arme que t'as trop tôt. Pas la même attaque. C'est que là il a couru. C'est quand il bouge pas. T'en as une où il court, une où juste il reste statique. Mais celle où il court, c'est instantané, ok. Un petit compteur de mort ou que pour les boss? Que pour les boss, frère.
Là ça va. Le problème c'est que j'ai pas encore découvert l'autre, la troisième gargouille qui a le double H là. Parce qu'autant il y en a deux avec une grande H. Bon eux, on va finir par les avoir, y'a pas de problème. Mais quand je vais devoir apprendre le pattern de l'autre, de la dernière là, ça va être l'enfer. Non, par contre, ça me touche, c'est abusé. Je vais sortir des gargouilles, hein. J'aurai 200 000 âmes, frère. On va farm les deux autres. Et après, il y aura un temps d'adaptation pour celui avec les double H. Là, normalement, cette run-là, je tue les deux gargouilles avec les deux de la grande H. Du coup, je vais mettre même ça, si vous voulez. Une petite braise, allez. Moi, c'est que je vais me faire envahir. Il y aura un joueur PVP qui va arriver, qui va me tuer. Je vais avoir trop les nerfs. Là il est mort. Regardez. Les attaques avec des gros lags, c'est tellement frustrant. Bah justement moi je trouve ça bien. Je trouve ça assez assez cool parce que ça te change un peu tes timings. Et ça t'oblige à être vraiment attentif et pas roll au hasard quoi. Pourquoi là c'est pas pareil là? Mais... Oh. Oh j'étais loin là. Merci. Enfin, je peux fumer l'autre. Attends, halbarde. Ok, j'ai une halbarde. L'autre il fait des rondes. Vas-y, je vais essayer de le fumer lui là déjà. Si je tue lui, l'autre est mort. D'accord. Ok, il tape moins loin déjà. Il tape beaucoup moins loin. Oh là, il fait des rolls bizarres. Oh là. Ok, ça va. Pour l'instant, il n'y a rien de choquant. Là, c'est juste une attaque comme ça. Là, c'est une deuxième attaque comme ça. Oh non, la troisième. Ok, il est mort. Ok, ça va, celui-ci. Tranquille, celui-ci, pas de problème. Du coup, la dernière, c'est celle avec la grosse hache aussi. Donc, on le connaît, lui. On le connaît par cœur. Faut juste faire attention. J'avais plus d'endurance, frère. Je n'avais plus d'endurance. Je ne pouvais juste pas le taper. Là, j'ai pas trollé, c'est juste que j'avais plus d'endurance. Donc, j'ai juste trop tapé. Et ça m'a baisé. Parce que là, sinon, je l'avais. 65 000 âmes. Les 65 000 âmes, elles vont être récupérées, les mecs, y a pas de problème. Bon, par contre, celui avec les double H, il a l'air d'être plus simple. En vrai, juste besoin de lui mettre full double auto, c'est bon, frère. C'est bon. La boucle est finie. La boucle est finie dès maintenant. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est 39 000 âmes en plus. On va terminer du coup cette session avec 104 000 âmes. Voilà, c'est fini. On tue le premier à gauche et après c'est fini. Après on tue l'autre qui fait des rondes. C'est win. J'ai aucun intérêt à les tuer en plus depuis tout à l'heure, c'est que de l'ego. Hein. C'est vraiment que de l'ego. Encore une fois, toujours et encore, ce putain d'ego qui est là. Hein. Mon endurance par contre, pitié. Oh, abuse par contre. Non, par contre là, c'est abusé là. Mais mon endurance, elle monte pas assez vite. Ça me casse les couilles. Je vais remettre un autre... Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre mon anneau qui me permet de régénérer mon endurance plus vite. Parce que j'ai pas le shield et j'ai pas l'anneau actuellement. Et en fait, le conquérant sur eux, c'est pas ouf, je pense. Donc je vais mettre mon anneau... il est où? C'est où? Amélioration... Restitution de constitution. Ouais, c'est bon. Là, non, je restitue un peu plus d'endurance plus rapidement. Et là, c'est win. Grâce à l'anneau, c'est gagné. Là, il y a tout dans le build, non? Le truc, c'est que les double autos de katana, regardez l'endurance que ça coûte, quoi. Ça coûte tellement d'endu, c'est abusé. Je ferai un peu moins de dégâts. Mais c'est pas grave.
là c'est pas un problème d'endurance. Là c'est un problème de course. Là c'est un problème de je cours et je veux appuyer rond, sauf que je suis en course, donc ça ne marche pas. C'est mon mauvais. Ils sont plus combien les katanas? Ils sont au max, ils sont plus 10, ils sont chargés, équipés, y'a pas de problème. Oh, ces gargouilles me pètent les couilles, hein. Voilà, je le dis. Hein. Pourquoi tu joues plus avec le shield? Tu fais une nouvelle run? Non, en fait, c'est pas ça. C'est parce que si je joue avec le shield, je passe au-dessus de 30% de charge. Et au-dessus de 30% de charge, bah c'est pas possible parce que derrière, je suis baisé, quoi. Je suis baisé, je perds. Je passe à 35, tu vois. Et du coup, sauf si je retire mon fut, mais même si je retire mon fut, ça change pas grand-chose en vrai. Bah du coup, je suis en middle roll et c'est pas bon. C'est pas des gargouilles. Ouais, mais moi je les vois comme des gargouilles parce que quand j'ai joué à Elden Ring, bah les mobs qui ressemblaient à ça, c'était les gargouilles. Donc pour moi, c'est des gargouilles. C'est tout. Parce que les katanas aussi sont lourds. Faut pas oublier que les katanas sont quand même relativement lourds. Aïe. Non! J'étais en train de lancer ma deuxième roll! C'est trop du hint, c'est trop du hint! Tu veux la vigueur? Non, jamais. Parce que j'arrive pas à jouer en fast roll, ça va toujours trop long. Ah ouais? Moi, je trouve ça trop broken. T'as des frames d'invincibilité en plus, t'as beaucoup de choses. Les pauvres chevaliers qui se font cancel par Sakor. Bah, pour l'instant, c'est eux qui sont en train de me cancel. Hein. Et l'attaque space, comment contre eux? Bah, c'est un peu de la merde parce que c'est très long et ça leur fait pas perdre leur posture. Donc, sur des mobs un peu plus petits qui perdent leur posture sur l'attaque. Sur le weapon art, c'est bien. Ouf, j'ai chaud. Mais sur d'autres mobs, c'est un peu moins bien, quoi. Et eux, je pense que c'est moins bien. Vigueur et vitalité, c'est pas la même chose. Ah oui, vigueur peut-être. Je pourrais mettre des points de vigueur, c'est vrai. Des points de vigueur, ça m'augmente pas ma vie, ça augmente ma charge. Mais ça augmente quoi, la vigueur, en plus de ça? Est-ce que je peux reset mes stats à un moment dans ce jeu? Ou est-ce que là, je suis hard stuck? Oh là, oh là. Le Garen, on s'en rappelle maintenant. Waouh, 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 waouh. Encore la Garen. Bah, je me l'abuse par contre de taper comme ça là. Trop tôt, même pas. Bah écoute, si tu tapes pas. Hein. Si tu veux pas taper, mec. Écoute, pas de problème. Surtout que... Ah merde, j'allais dire surtout eux ils one shot pas. Donc eux c'est plus facile. Mais le problème c'est que bah quand il te met un coup il te met le deuxième. Et mon attaque chargée elle lag énormément. Je peux déjà le faire. Quoi? Oh ça je peux déjà le faire. Dans la cathédrale genre à côté des égouts, il y avait une meuf qui me permettait de reset, de me purger je sais pas quoi là. Mais c'était pas ça. C'était pas la meuf à côté des égouts. Non, c'est pas elle. Elle, je sais pas à quoi elle sert, elle. Hein. Elle, en haut, je me suis soigné de la malédiction. Voilà, c'est tout. Il y a pâte en oignon. Ah oui! Oui, je me rappelle. Ok, c'est bon, je vois. Oui, j'ai déjà le TP en plus. J'ai déjà le TP, c'est vrai. Enfin, toujours, hein. On est dans une boucle. On est dans une boucle intemporelle. C'est infaisable. J'ai l'impression que je suis dans une boucle infinie. Putain, ça demande de la concentration comme jeu. Hein. Vous me dites que c'est une zone de farm. Hein. Oui, c'est une zone de farm. Hein. C'est une zone de farm. Malheureusement, c'est pas moi qui farm, quoi. J'ai un golem de fer. En fait, le problème, c'est que je me fais OS, quoi. C'est ça le vrai souci. La boucle du grid, c'est ça, j'ai voulu mettre un coup de trop. On y va. C'est totalement la zone qui me farme pour l'instant, surtout que c'est loin. Et après, je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Par contre, la récompense qu'il y aura là-dedans, j'espère qu'elle vaut le coup. J'espère que ça vaut le coup, parce que sinon, je serais dégoûté. Hein. Abuse! D'où il fait ça direct? En soi, le farm est plus compliqué avec 0 invita. Oui, non, mais évidemment, je pense que si je tanque un coup, bon, bah, t'as beaucoup de fenêtres pour te heal, donc ça va. Mais là, le problème, c'est que bah, le farming.
Quand chacun de ces mobs a la compte OS, t'es là, t'essayes de farm, tu farmes rien. T'inquiète, il donne zinzin dans la tour. Non mais il doit se mériter cet item. Franchement, il doit se mériter. T'es pas assez hydraté, je pense, t'as raison. C'est bon. Après, il y a toute la cathédrale en face aussi. Hein. Putain, la zone est énorme. Et j'ai pas encore fouillé tout ce qu'il y a en dessous de moi. Bordel de merde. Comment ce jeu est trop complet, c'est une dinguerie. Il veut pas lâcher ses éclairs là? Non, c'est la Garenne. C'est la Garenne! Je pensais que c'était une attaque horizontale normale. J'ai roll-in, je me suis e-roll. Au pire, je tape, je suis bien. Mais une fois que je suis dedans, dès le moment où je suis au milieu des hits de Garenne, c'est fini, frère. Ange plus fort que chevalier lance plus bouclier. Oui, oui, oui. Les anges sont plus forts que les chevaliers lance plus bouclier actuellement. En tout cas, bien plus casse-couille. Ça, c'est une certitude. Et surtout, le chevalier lance, il était tout seul. Donc ça va. Généralement, les chevaliers lance, ils sont genre tranquilles, tu vois, ils sont en chill. J'étais là-bas, oui, j'étais là-bas. C'est là d'où je viens, ok. Je suis en train de perdre la boule. Je suis en train de perdre la boule, là. L'avantage c'est que moi je perds pas mes âmes, donc ça c'est bien. Merci, donc toi c'est bon, tu me parles plus. Toi tu me parles plus frère, je tue l'autre, et c'est bon. Wesh, il y en a un, il est en train de se taper. Elle est où l'autre? J'ai fait tellement vite l'autre gargouille qu'il a même pas eu le temps de me capter. C'est quoi ce coup? Wesh! C'est quoi cette dinguerie? Heureusement, il a tapé dans le vent. En endurance, ok. Là, il faut que j'aille le backstab. Voilà, comme ça je prends pas les dégâts et je le tue. Ça c'est broken ça. Voilà, merci. Donc lui il est beaucoup plus facile. Hein. Lui pour le coup il est vraiment vraiment beaucoup plus facile. Et là, l'ADR. L'ADR des DR. Allez c'est bon, l'ADR c'est fini. La boucle est terminée, la boucle est bouclée. Vous savez quand je joue ma gueule c'est toujours une réussite. Riven Badge en 8 mois. Je préférais la couche culotte sur le perso d'Elden Ring Kappa. Et voilà. Vous avez dit quoi? Tablette de titanite. Ah, c'est ça. Quand tu tues les 3 pour la première fois, t'as une grande tablette de titanite. Donc, certes, il respawn, mais tu débloques quand même un item pour avoir une arme rang 10. Ce qui est plutôt bien. Ok. Bah, attends, par contre, je dois monter ou. C'est comment là? Je dois descendre? Ah non, je suis sur des poutres. Ah. Il y a des mobs qui vont taper en même temps. Attends, mais là, je dois aller où, là? Attends, mais frère. Si je vais sur ça, c'est quoi? Ouais, bah, c'est super. Ah, d'accord. Là, j'arrive là. Il y a des plumes de partout. Pilier divin luminescent. C'est un spell. Ah, c'est le truc, le spell que je viens de... Ils font, les mobs, ok. Là, je suis où? Oh, le con. Ok, on va prendre l'objet qui est là-bas déjà. Oh, j'aime pas trop ce que je vois là. J'aime pas trop ce que je vois là actuellement. Hein. Me balader sur des poutres, c'est pas trop mon délire. Hein. Est-ce que je peux arriver là-bas? Là-bas, y'a rien. Regarde, s'il y a pas un item. J'imagine que je dois descendre là-dessus. J'imagine que je dois descendre là-dessus pour pouvoir ensuite eh bien, aller fumer le mob.
Heureusement j'ai des dégâts de fou. Là je peux descendre ici. Ok, je peux descendre ici. J'aimerais fouiller avant. Est-ce que j'ai loupé des trucs avant? Bon là-bas y'a rien. Si je descends là je meurs. En bas y'a un soldat. Frère. Je suis où, putain de merde? Là-bas y'a rien. Là-bas y'a rien. Donc je vais prendre l'échelle. L'échelle. Je vais regarder quand même au fond. Avant ça. C'est la prise en main des katanas. C'est bon. Je suis désormais le goat des katanas. Donc on est bien. Je vais prendre l'échelle. Car je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus par là. Très bien. L'échelle m'amène là. Merci. Un vrai coffre. Et ça, un vrai coffre. Bénédiction divine. Bon, ça, ça restaure tous tes points de vie. Tout, c'est sympa. J'utilise pas, mais c'est sympa dans l'idée. Derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir par là? Donc là, déjà, j'ai un bon raccourci. J'arrive ici. J'arrive là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, du coup, j'arrive juste là. Et là, il y avait quoi ici? C'est où cet endroit, frère? T'as loupé un truc, mais faudra retourner voir les gargouilles. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Il va y avoir un truc en haut, ça veut dire. Après, je peux encore y aller, hein, d'ici. Alors, faut que je me repère. Ok, je suis totalement repéré, les gars. Je sais pas où je suis, frère. J'ai juré qu'il se fout pas de ta gueule, MDR. J'ai trop les nerfs, frère. J'ai trop les nerfs. Ok. De toute façon, je vais descendre là. Je sais qu'ici, j'avais pas tout fait. Ici, je sais que j'ai pas tout fait, ici. À cet étage-là, je sais qu'il y a plein de trucs qui ont été loupés. De toute façon, là, j'arrive à la... Vers où, wesh? Il y a des mobs, ici. Ok, faut pas que je meure sur ces mobs-ci. Je vais regarder un peu derrière moi, qu'est-ce qu'il y a. Pas grand-chose ici, je crois. Non, il y a pas grand-chose ici. Après j'arrivais derrière. Je pensais qu'il y avait un feu, mais la dernière fois il n'y avait pas de feu. Ok, je vais m'avancer par là. Mes âmes, elles sont bien mes âmes. Les pires mobs du jeu, on le rappelle, ceux qui gueulent de partout. Voilà pourquoi ça fait partie des pires mobs du jeu, je suis dégoûté. J'irai revoir les gargouilles après, ne vous en faites pas. Déjà, je vais récupérer mes âmes. Comment je fais pour récupérer mes âmes d'ici? Le chemin, il est comment? Putain, c'est où déjà? Oh, j'ai zappé, frère. Non, je crois que c'est là. Ok, c'est là. C'est par là, c'est bon. C'est pas double raccourci, c'est simple raccourci. Ah non, c'est pas là. C'est pas du tout là. Ah, si je descends, j'arrive pas du tout au bon endroit. Non, c'est le raccourci, ok, je vois. C'est raccourci échelle. C'est l'autre raccourci, c'est raccourci échelle, c'est my bad. Je me suis trompé. Là, si je passe par le toit, ça va être relou, tu vois. Je vais arriver là-bas, ça va être relou. Premier ascenseur et ton échelle, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est là où il y a le mec qui te crache du cum. Et là, les âmes sont trop importantes pour que je les loupe, là. Les âmes, j'en ai 120 000, frère. Crois-moi qu'on les récupère. Crois-moi qu'on les récupère, ces âmes. Va au gargouille, j'irai après au gargouille. Je retourne au gargouille après parce que j'imagine que bah y a un truc hein, que j'ai loupé, hein, vu que vous me le dites. Donc je vais refouiller plus tard. Ça va fine. Bon, je commence à m'habituer un petit peu au katana aussi, donc ça c'est bien. C'est pas évident, mais ça a l'air d'être super fort. En termes de damage, tu vois, j'ai l'impression que ça a rien à envier aux lames du mercenaire. Juste en termes de fluidité, c'est un peu plus long. Ça, on est bien d'accord. Mais sinon, ça a rien à envier aux lames du mercenaire. Sinon. Merde, c'était où sinon? C'était pas là. Wesh, c'est où? Ah, c'était là, échelle là-bas. My bad. Je me suis pas mis de cum encore dessus, donc c'est pas bon là pour l'instant, mais tranquille. C'était pas là. C'est
ça. Après tu montes. Après tu montes. Mais non, je crois que j'ai un raccourci pour aller beaucoup plus vite ici. Bah, j'ai un raccourci pour aller beaucoup plus vite ici. Non, c'est cet ascenseur là que je dois prendre. Ah, c'est l'autre ascenseur, mais il est où cet ascenseur déjà? Merde, il est où cet ascenseur déjà? C'est lequel? Après là je crois que je suis cover par l'échelle ici. S'il me tire dessus il me touche pas. Voilà. J'arrive toujours à avoir des morts qui sont terribles, hein. 120k dans le bras, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour le divertissement, c'est pour le stream, vous connaissez. Putain de merde, comment je fais, frère? Comment je fais? C'est honteux. Ça fait 2 heures qu'il est là. Non, non, bah, enfin si, mais c'est pas vraiment là où je suis depuis tout à l'heure. Putain! C'est fine, c'est fine. Dans le sens où j'essaye de fouiller un petit peu le tout. Et du coup, bah, je perds un peu de temps, quoi, partout. Il est là, le raccourci. Ok. Faut juste que je tue le premier. Que je me prenne pas de cum sur le deuxième. On est bon. Bah let's go les gars, on va récupérer nos âmes. On est bien là. Pourquoi tu y retournes? Il n'y a plus les âmes. Oui, mais il y a un chemin que j'ai pas pris. Il y a un chemin que j'ai pas emprunté, que j'aimerais fouiller avant de m'avancer tout en haut là où il y a les gargouilles. Et voilà. Ah mais merde, mais c'est pas là où je veux aller, putain. C'est où là où il y a les gargouilles là? Enfin les gargouilles, les mobs qui m'ont tué tout à l'heure. Ah mais là il y a une fenêtre. Il y a un chemin que j'ai pas encore emprunté. Mais... merde. Mais toi du cum tant qu'à faire, c'est vrai, pardon. C'est vrai que j'ai oublié de me mettre du cum et c'est très important. Et merci à toi Narutorun pour ton 5e mois d'abonnement. Naruto bon, merci à toi. Baron 5 mois. Road to Sekiro. Donc là il a perdu 120 000 âmes, ouais. Mais c'est pas grave, regardez, j'en ai déjà récupéré 14 000, c'est énorme. Copium. Là, par là, je peux, non? Ah là, je dois pouvoir aller sur le... sur là où je veux aller. Oui, c'est là. Là, c'est bon. Là, je vais à gauche, après je descends, c'est bon. Là, c'est le seul endroit d'ici que je n'ai pas... que je n'ai pas vraiment fouillé. En haut, je sais qu'il y a la gargouille qui descend. Y'a quoi par là? Y'a un truc ici. Y'a un truc ici. Que je n'ai pas encore pris. D'abord, j'aimerais aller dedans. Là, j'ai l'impression qu'il y a une porte, non? Y'a pas une porte ici? Y'a rien derrière eux. J'ai rien derrière eux, j'en ai rien à foutre de les tuer. Ça me fait juste perdre du temps pour rien de les tuer. Y'a pas de message au sol, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin ici. Ok. Et non, j'ai pas testé l'arme du tueur de dragon. Ah c'est ça l'objet, ok. Écaille de titanite. Ok, donc ça c'est l'objet que j'avais pas tout à l'heure. Ok. Il y avait des âmes ici. Connard. Ok, donc là c'est bon. Là, on a tout fouillé, on peut aller vers les gargouilles. Imo, là c'est un run gargouille, on est bien. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Wesh. Putain, je viens d'activer quoi là? Je viens d'activer un truc, je sais pas quoi. La teste l'âme de la danseuse. What? C'est peut-être sur le truc au fond. Ça doit être sur le
Sur le truc là où il y avait les trois mobs qui m'attendaient au début. Je vais aller voir vite fait. Je vais le check en speed. Non, je peux passer par là. Par contre, si je passe par là, je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir en face. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est en face. Je crois que c'est là. Ça a dû activer un truc là. Oh non, j'ai pris du cum. Ok, ça va. Je suis un peu avec du cum, mais ça va. J'ai pas full cum. C'est pas là? On va me baigner dans le cum. Torche en vue. Non? Torche en vue, est-ce que c'est un message qui est bon là? Est-ce que je peux prendre un bain? Un bain de cum. Les gars. Ok, ça va. Je peux pas, hein. C'est pas ça. Mais du coup, j'ai activé un truc. Ça doit être dans la bibliothèque. Ça a dû activer un chemin dans la bibliothèque. En fait, ça m'a juste ouvert ça, non? Même pas. Non, ça m'a pas ouvert ça. Ça, c'était déjà ouvert. Attendez. Ça a dû ouvrir un truc dans la bibliothèque. En fait, j'ai activé un levier tout là-haut. Est-ce que je suis au bon étage? Il y avait écrit que tu pouvais allumer le cum. Je suis pas sûr, hein. Recouvrir la tête de cire. Ah, si. Je peux mettre ma tête là-dedans. Je pense pas pouvoir allumer le cum. Jamais de la vie, frère. Et du coup, y'a rien derrière. Attends, mais le levier, vous savez à quoi il sert, vous? Vous êtes au courant de à quoi il sert? Genre là, vous êtes là en mode le levier, c'est bon, il a activé ça, c'est nickel, tu vas pouvoir aller par là-bas, là. Attention, vas-y. Si, mec. Mais... Est-ce que ça active un truc à l'étage où je suis? Moi, je verrais bien un truc activé à l'étage où je suis. Ah, mais c'est ça, non? C'est pas ça que ça a activé? C'est ça, non? Tablette de titanite, c'est forcément ça. C'est ce chemin-là que ça a ouvert, c'est sûr. Et je l'avais pas avant, ce chemin-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon, par contre, comment je fais pour retourner maintenant Oh non, pas lui. Laisse-moi partir, frère. Ok. Bah là, je peux juste aller à tout en haut, là. Je peux juste aller là où il y a les gargouilles, et on est bien, hein. Os, bon, ça va, os. Pas besoin de tuer un os, on est là les gars. On est en chill ici, c'est bon, on y va, on va tout là-haut. Il a déjà fait du parcours sur les bibliothèques. J'ai pris les objets que j'avais à prendre, mais je sais pas si j'ai fait exactement ce que j'avais à faire. On est d'accord que là, en haut, je dois aller dans le bâtiment. Dans le bâtiment qui est à côté des trois gargouilles d'or. Ou est-ce que je dois fouiller autour, là où il y a les gargouilles? Ça la question. Je pense que je dois aller dans le bâtiment. Je dois aller dans le bat. J'ai doublé des trucs dans le bat, parce qu'autour là j'avais fouillé à peu près là. J'avais fouillé à peu près par là. C'est bon, je suis à 100% dans les archives je crois, ok, ça c'est nice. Ça c'est nice, je pense aussi que j'ai bien fouillé les archives. Autour on a regardé. Là il y a les meubles qui vont revenir. Donc vas-y, revenez, je m'en bats les couilles, je veux pas vous tuer maintenant. C'est moi tranquille. Est-ce que j'ai un truc dedans? Est-ce que c'est encore en bas? C'est forcément en bas. Ok, ça doit être... Plutôt que de descendre ici, sur ça, je dois pouvoir descendre ailleurs. Parce que là, en fait, si je descends là, c'est pareil. FF? J'ai encore loupé un truc? Merde.
Merde. Ça veut dire que c'est dans le bâtiment directement. Putain. C'est dans le bâtiment directement, mais y'a rien, frère. Y'a rien dans le bâtiment, vous foutez de ma gueule. À part une... Ah non, y'a rien. Je peux pas vous croire, en fait. Je ne peux pas vous croire. Je n'ai rien vu dans le bâtiment, mais pourtant j'ai fait le tour du truc. Mais... Fouille la tour des gargouilles, mais y'a rien dans la tour des gargouilles. Je viens de regarder en speed la tour, y a... c'est tout petit. C'est tout petit. Après y'a un étage quand même. Hein. Doit y avoir une échelle. Doit y avoir une échelle quelque part. Ma gueule. Vous êtes en train de me prank. Vous êtes légit en train de me prank là. Mais y'a rien là. Et du coup c'est pas dedans, c'est en dehors. Ça si je fais le tour du truc. Mais c'est pas dedans alors. Attends, il est monté lui. Hein? Monteur droit devant. Attends, mais y'a rien là. Là, j'ai vu l'échelle. Hein. Je voulais juste faire le tour du truc avant. Voir s'il y avait pas un objet. J'ai vu. Ne vous en faites pas. Les gars. Je l'ai vu ça. Puisque je vais faire le tour. Quand même, je veux bien être bigleux, mais quand même. Un autre chasseur. Ok, qu'est-ce que ça fait l'homme chasseur? Augmente la dex. Ah, silence en vue. Ok. Ah, on est bien ici. Et donc là, on a tout fait ici, c'est bon. Merde. Oula, salut mec. Bon. Bon, c'est 27 000 âmes, on va les laisser, c'est pas très grave. On va pouvoir avancer du coup pour aller en face. Exactement, c'est un fastback. Bon, fastback, pas très utile, mais c'est un fastback. Et là, on y va. Et maintenant, je peux aller tout droit. Ah, bah on aura bien fouillé, tu vois. C'était long, c'était éprouvant. Mais au moins, on a l'accomplissement du travail bien fait. Ah. Salut les mecs. Pas eux, pas des archers. Attends, mais y'a combien de mobs? C'est bon, frère, j'ai la flemme de tuer tout le monde. Oh, ça va. Jusqu'à Valais, ça sera très. Ouais, lui, par contre, j'ai l'air stylé, le chevalier bleu là. Il a l'air super vénère aussi. What the fuck? Y'en a deux? Ah ouais, c'est là. Oh, y'en a trois? Y'en a quatre? Ah oui, bah, y'en a du mob là, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Oulala, attendez, laissez-moi ouvrir cette porte, pitié. Wesh. Ça va les mecs? Tranquille? Ça va? C'est bon, vous avez fini? Allez, barre-toi de là, frère. Y'a quoi ici? Un feu? Ah non. Ah non. Oh dear. Another dogged contender. Dogged contender. Purloiner of cinders.
What the fuck? T'inquiète, moi je veux bien faire tout disparaître, hein. Le dialogue est stylé, hein. Mais du coup, Lorient, le prince aîné. Wesh. Wesh. Faut pas oublier que... Ah ouais, je me fais OS mais vénère quoi. Ah ouais. Par contre là c'est... Le chemin est un peu long quand même, hein. Le chemin il est long et en plus de ça... Il est dangereux. T'as un raccourci si tu veux. Bah écoute, moi je veux bien le raccourci, hein. Bah, je vais le trouver, hein. Pourquoi il est à 0 HP? Parce que c'est mon build là. Il n'y a pas de raccourci ici, qu'est-ce que vous racontez? Je regarde un peu sur le tech et tout là. Je vois pas un endroit où il peut y avoir un raccourci là actuellement. C'est un tout droit. À moins qu'il y a un... Oh là. Ah, c'est eux aussi vont one shot. Ah là. Attendez. Il est lancelé, hein. Merde. Et c'est en dessous. En dessous, hein. Quoi? What the fuck? Bah. Alors il va attendre, hein. Non, il va attendre un peu, Lorient. Wesh. Table de titanite, ok. Bah, c'est tout? Y'a que ça? Ah, je m'attendais à un chemin de fou, moi, je m'attendais à une nouvelle zone. Je m'attendais legit à une nouvelle zone. Ah, je suis dégoûté. En vrai, c'est lourd le tableau. Oui, ça te permet de passer les armes plus 10, c'est vrai. Mais bon. Du coup, je vois très bien où c'est là. C'est juste là. Et là, il y a le boss à... au fond, non? Enfin, il y avait la zone du boss ici. Donc, si je me TP là, en fait, juste à courir, je fais tout droit. Mais attends, mais c'est OP. Non, mais le raccourci est vraiment broken, hein. Le raccourci, je pense, est vraiment, vraiment bien, hein. C'est plus long, en fait, tu penses? Je pense pas. Juste l'ascenseur est très long. Mais j'ai un feu qui est à deux pas. J'ai un feu qui est vraiment à deux pas. Comment ça peut être plus long? Le feu est bas de loin, mais le feu il est pas loin, non? C'est plus safe surtout. Ah oui, c'est beaucoup plus safe. Parce que le feu, c'est le feu du boss, on est d'accord. C'est le feu du boss. Ok, bon, le problème c'est que bah, il one shot par contre. La musique a l'air d'être assez cool. Attends, par contre, tu vas ramener toute la famille ou quoi? Parce que lui c'est Lorient le prince aîné, mais c'est pas lui qui me parle depuis tout à l'heure. Feu de la danseuse, mais c'est pas le feu de la danseuse le mieux, c'est le feu de là-bas là. Attends, mais d'ailleurs, Georges, je me TP, je vois le feu, je le vois. Ah ouais, non, t'as raison, le feu est pas si proche que ça. Il y a une petite marche. Il y a une petite marche, c'est vrai. Mais tu vois, de l'autre côté, tu prends l'ascenseur, après tu dois passer tout le pont. Ouais, ça doit se tâter. Ça doit se jouer, en vrai. Mais t'as quand même l'ascenseur qui est quand même relativement long. Non, c'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide, je pense. Large. Non, ça va. Je vous jure, vous êtes des abuseurs. Parce que là, à la limite, bon, j'ai pris l'autre ascenseur déjà, je suis en haut, je suis en train de courir sur le pont. Et je suis en train de dodge tous les mobs. Là, à ce moment-là, je suis en train de dodge tous les mobs.
Non, je jure que vous êtes des abuseurs, je jure que c'est mieux. Je jure que c'est mieux et il n'y a même pas de débat là-dessus, frère. Tu perds pas 3 fioles à chaque respawn, mais c'est même pas 3 fioles. C'est, je peux mourir. Sur les mobs, les soldats bleus, s'ils me touchent, je suis mort. J'ai plus d'enduit. Pourquoi il se met pas debout? Ok. Oh, joli. Ok. Je l'avais pas cette attaque. Il est muet et paralysé des jambes. C'est mon problème ça, pourquoi il se met pas debout le con? Celle-là c'est à 20 de vita, elle twist quand même. Ok, ça m'étonne pas, en même temps ça se voit que c'est une attaque assez balèze. C'est à quoi qu'il voit un handicapé, pourquoi il se met pas debout? Frère, j'en sais rien moi. Et je le vois comme ça et je me dis bah ouais frère, mets-toi debout. My bad. Je sais pas, mec, marche. Sa corps se moque d'un handicapé. Non, mais c'est un jeu vidéo, les mecs, voilà, vous comprenez. On n'est pas dans la malveillance. Domingo, ce soir, quand je lui dis, mais frérot, pourquoi tu lèves pas la main pour donner la réponse? La malveillance max. J'avoue, bien vu. Non, frère, abuse par contre. Là, il allait trop vite. Là, il allait trop vite, my bad. C'est comme moi que ce chien, hein. Dernière fois, quiz League of Legends. Il y avait en gros une question sur quelle est la couleur du shimmer dans Arcane. J'étais en mode. Les questions, c'était genre bleu, violet, rose, etc. Que des couleurs que je confonds. J'étais en mode, bah, je ne sais pas, je suis daltonien. Il était en mode, ah, dommage. Voilà. J'étais en mode, ok, gros connard, va. Je sais pas quelle couleur, je suis en bas, non, je ne sais pas. Je suis en bas, ok, bah my bad alors. My bad, hein, du coup, j'imagine. Hein. Par contre, l'ascenseur, il me manque toujours cette clé d'ascenseur là. La clé de l'ascenseur souterrain, permettant de descendre dans le plus profond des donjons de Lothric. On dit que l'un des derniers spectres sombres originaires d'une terre engloutie par les dames y serait retenu prisonnier. Je suis dans le château de Lothric. Donc, c'est pas tout ça, mais j'aimerais trouver cet ascenseur. J'aimerais l'activer, cet ascenseur. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, on finira par le trouver plus tard. De toute façon, j'ai 0 âme, donc OSEF. Mais à combien de morts sur le boss environ? Bah, 2, 3. 3, je crois. Wow. Une endurance. Merde. Plus d'endu. Je force trop sur mon endurance. Je bourre trop. Bon, par contre, je lui ai mis très très cher. Mais bon, il est pas encore passé en phase 2. Là, il allait passer en phase 2, il se met debout. Non, toujours pas, hein. Toujours pas, hein, il veut pas, hein. Le coup, c'est vraiment... il tient à rester sur ses genoux, quoi. Les armes, elles consomment tellement en stamina, oui, de ouf. On verra c'est quoi la phase 2 de toute façon. J'imagine que la phase 2 ce sera sa daronne là. Sa grande daronne qui fait que parler là, qui fait que débiter, on n'en peut plus d'elle. J'aime pas si c'est sa daronne d'ailleurs mais... On verra bien, on verra bien. Bon allez, on va le fumer en speed et ce sera très 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 bien. Oh.
Trop tôt, putain, trop tôt. My bad. My bad. En vrai, il va pas être si facile que ça, hein. J'avoue, je voyais le feu plus proche. Je voyais le feu plus là, tu vois. Moi, je voyais le feu là, ici. En fait, le feu est pas là. Donc, vu qu'il est derrière, tu perds un peu de temps de course. Mais Imo, c'est quand même de très très loin le meilleur chemin. Enfin, je pense que je gagne facile au moins 15 secondes, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas non plus free. Il va pas être facile vu que tu te fais one shot par toutes ces attaques. Oui bah oui, ça c'est... Ça je le sais ça déjà. Je le sais déjà que je me fais one shot par toutes les attaques, c'est pas nouveau. Peut-être qu'avec une braise non. On verra. C'est quoi le message au sol? Invoquer ce spectre? C'est quoi ça? Bah non. C'est quoi, c'est un mec qui vient m'aider après? C'est de la coop. Oh. Oh putain. Dendu. Oh merde. Oh, avec la braise je tank. T'as absolument dans le vent le con. Le boss serait plus dur s'il tapait pas autant dans le vent. Ok, phase 2. Putain, la musique par contre elle est grave stylée. Du coup c'est qui sa grosse daronne? Ah non, c'est son frère. Mais en vrai, il avait une apparence de daronne un peu. Noble lame du prince Lothric, mon très cher frère. Du coup, lui, c'était le guerrier. C'est-à-dire que le prince Lothric, c'est pas un guerrier. Ah. Attends, mais il a un... What the fuck? Le flot de malade. Hein. Oh, il va se mettre debout? OMG, il a redonné des jambes. What the fuck? Il a redonné des jambes, frère. Ah non. Ah non, j'ai menti. Oula. Oula. Alors là, je vais recourir, c'est ça? La musique est trop ouf. Oh bâtard. Oh bâtard. Oh la musique. Bon par contre je m'attendais pas à cette magie là, my bad. Par contre pourquoi il y a Yumi j'avoue sur son dos là? C'est quoi ce truc? L'OST de Zinzin, non la, l'OST elle est folle. L'OST elle est folle. C'est ça le gros point fort. Mais comment sur Elden Ring ils ont pu autant se chier sur les OST? Parce que j'étais en loi les OST Elden Ring trop bien. Et quand je vois ça maintenant, je me dis mais ils se sont chiés sur les OST. Parce que Dark Souls met quand même une bonne distance à Elden Ring sur les OST, alors que sur tout le reste, je trouve quand même Elden Ring meilleur, que ce soit en termes de boss, que ce soit en termes bah, forcément d'univers et tout. Genre, je trouve quand même que Elden Ring est au-dessus. Mais là, c'est abusé. Là, c'est abusé. Après, il y en a des très très bonnes sur Elden Ring, mais il y a 160 boss, tu vois. Et le truc, c'est les mémoires. T'as genre, t'as Godfrey,
t'as Renala, t'as le cerf, t'as des trucs comme ça qui sont en ambiance incroyable. Mais tu vois, genre là j'ai l'impression que tous les boss ils ont quand même des petites OST à eux bien stylées. Oh là. Oh, il me l'a jamais fait celle-là. Oh, je tente un hit. Il va se taper soon. Aïe. Oh. Un tank et un coup c'est trop broken, je le jure. Oh yoï. Ok. Il a mix-up. Il a mix-up. Stock abusé, je trouvais que j'abuse. Moi je trouve que Elden Ring pour le coup c'est vraiment, bah je trouve le jeu meilleur. Moi je préfère Elden Ring à Dark Souls 3. Mais vraiment le point sur les OST, mais frère, même le boss, t'es là, tu tombes sur le vieux Volibear au début. Tu te dis bah c'est un boss de merde, tu vois, c'est un boss du début, il est un peu bidon et tout. L'OST elle est exceptionnelle. L'OST elle est exceptionnelle. Franchement. Point d'Elden Ring c'est que c'est trop facile de se perdre. Ouais, mais en même temps, je trouve que tu te perds pas tant que ça, je trouve, sur Elden Ring. Je trouve que c'est ok. Après, c'est l'avantage du monde ouvert, parce qu'en fait, tu te perds et même si tu te perds, c'est pas grave, tu peux quand même avancer. Et quand même, bah, tu vois, tu arrives dans une zone, tu la fouilles à fond. Après, oui, il y a tellement de possibilités de déplacement sur Elden Ring qui fait que, en termes de level design, c'est absolument exceptionnel. Mais c'est un monde ouvert quoi, ça aussi la différence, c'est normal. Ou bien... Une endurance par contre là. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Alors ça, mon gars, cette petite téléportation dans les airs, je perds le focus à cause du fait qu'il se TP, donc je n'ai plus en lock. Ça, c'est bâtard. Mon plus gros problème avec Elden Ring, c'est le reskin des boss qui enlève leur impact. Je suis d'accord, mais c'est même pas le reskin, hein. C'est juste que des fois ils réutilisent les mêmes boss. Tu vois, genre par exemple les arbres mondes, les arbres mondes machin, t'as les gold skins, donc les gold skins, donc les sanctes chairs. T'as quand même pas mal de boss qui sont réutilisés un petit peu à plusieurs moments, ça je suis d'accord. Les dragons, c'est vrai les dragons. Mais t'as quand même des boss uniques qui sont ouf. Moi je trouve que les boss uniques de Elden Ring sont quand même plus emblématiques que ceux de Dark Souls pour l'instant. Les combats à cheval trop répétitifs aussi. Oh, je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Des combats à cheval, j'en ai fait tellement peu. Je l'ai quasiment pas fait. Oh, la bu. Oh, la bu de ouf. Tous les dragons, t'es censé les faire à cheval. Ouais, mais tu vois, moi j'aimais bien le côté où tu swaps, tu passes à cheval, tu repasses à pied, t'as un peu plus de mobilité et ça te... Ça donne un peu des éléments de gameplay différents, je trouve. Je trouve ça cool. Ouais, j'avoue que j'ai grid à fond, là. Mais ce boss-là, on est d'accord. Tu tankes un coup, il est bidon. Mais il est bidon, quand je dis bidon, il est... Il est nul, ce boss, non? Parce que j'ai l'impression qu'il est nul. Genre, avec une braise, je tanke quand même quelques coups, et déjà, à partir de là, c'est tranquille. Par contre, il est très stylé. Je suis d'accord qu'en termes de style, il n'y a rien à dire. Il est exceptionnel, mais en termes de difficulté, il n'a pas l'air très dur. Il a l'air moins dur, par exemple, que l'armure de chevalier dragon, là. Le boss, c'est 10 sur 10 en termes de lore, mais difficulté bof. Ok. Mais en vrai, de vrai, je trouve que le boss qui était vraiment exceptionnel, vraiment, c'est le roi sans nom. Et apparemment, même le lore du roi sans nom est ouf. Donc, ce boss, il a 10 sur 10. Ah. Ah.
pas touché là. Quand je tanque un coup, je suis là, je me heal tranquille. T'as des frames pour te heal tranquillement. Ah. N'empêche, sous Bresco là, je suis au max. Hein. Ah, je suis mort là. Non, ça va. Ah. Bon, là, par contre, il m'a bien baisé là. Sous Bresco là, je suis au max, sauf pour cette attaque verticale. Mais je comprends pas. Pourquoi ? C'est le fils cadet qui est devenu roi. Parce que le château, c'est le château de Lothric. L'autre, c'est le fils aîné. Donc, Lancel, là, c'est le mec qui est le fils aîné. Pourquoi ce mec-là n'est pas devenu roi ? Parce que c'est juste un guerrier super con. Et l'autre, il était plus smart et donc c'est pour ça qu'il est devenu roi ? Imo, c'est ça. C'est bon, j'ai la solution, je pensais ça. C'est expliqué dans le lore, ok. Après, c'est vrai qu'il a pas l'air de pouvoir se tenir debout, donc... Donc bon, j'avoue que peut-être que ça passait pas trop en roi. Malenia est le boss le plus dur de tous les Fransoft. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait tous les Fransoft, mais en tout cas Malenia... Apparemment elle est dure, mais juste... En fait, le truc c'est qu'elle est pas dure, Malenia. La vérité de Malenia, c'est qu'elle est pas dure. C'est qu'elle a un coup qui est unfair, c'est tout, c'est tout. La vérité, elle est là. J'ai plus d'endu là, par contre, là. J'ai tanké un coup. Je suis même pas sous braise. Ah, merde. J'étais même pas sous braise cola, là. Et j'ai tanké un hit. Ah oui, mais il est bidon. Même si tu arrives à esquiver facilement le fameux coup, elle reste très dure. Oh, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Parce qu'en vrai, moi, le truc qui me tuait à 80% à partir d'un moment, c'était que ce coup-là, quoi. Mais donnez pas des noms de boss d'autres jeux que je ne connais pas, évidemment. Hein, parce que j'avoue que. Peut-être qu'un jour, on fera ces jeux-là, tu vois. Et du coup, on sera en mode putain, lui, c'est comment, tu vois, tu as quelques appréhensions, tu ne sais pas trop ce que ça vaut. Tu vois, alors que si t'as déjà vu son blaze, bon Malenia par exemple, Malenia je savais très bien en arrivant sur Elden Ring que le boss allait être super dur parce que tout le monde avait Nendrop, tout le monde. Le truc, j'étais arrivé, j'avais rencontré Millicent qui était sa fille ou sa soeur, je sais pas quoi. Tout le monde était en ah bah tiens, il y a une famille bizarre ce coup, il ressemble à un coup de Malenia. J'étais ok, bon bah elle a un coup qui ressemble à ça. Ça va être chiant à affronter. J'étais en mode bon, avant même d'arriver sur Malenia, j'avais déjà tous les liens de famille de Malenia et tout. J'étais en mode bon, ok. Vous pouvez citer des boss de Dark Souls 2 vu qu'on fera jamais le jeu. Oula, oula, par contre là j'ai troll. Je m'attendais à un coup des stocks, j'ai trollé. Pourquoi pas Dark Souls 2? Parce qu'apparemment c'est l'enfer. Tu vois là déjà là. La course que j'ai pour aller atteindre le boss. Vous la notez chiante à combien sur 10? Moi, je la note chiante à 8 sur 10, tu vois. Et apparemment, sur Dark Souls 2, il y a bien pire. Il y a bien pire, tu vois. Là, vous êtes en mode, ça va. Moi, ça me pète les couilles, tu vois. De faire ce chemin-là, ça me pète les couilles. C'est tranquille ce chemin. Ouais, mais en fait, il est chiant. Y a rien, frère. T'es là, tu te fais chier. Juste, tu cours. T'es là, tu fais ton truc, tu fais ton chemin. Frère, moi, je veux juste me taper contre le boss. Juste, donnez-moi un spawn là, ici. Tu me donnes un spawn là, frère. Je cours là, les deux escaliers, si tu veux, au max. Et je suis heureux. Et je suis heureux. Après, j'ai été éduqué au luxe. J'ai été éduqué au luxe de Elden Ring, forcément. Merde. Oh, merde. What? Ok, je pensais pas que ça m'a shoté ça. Mon mauvais.
Mais tu vois, le truc, c'est que courir, ça t'apporte quoi dans le jeu, en fait? Tu vois, là, le chemin. Qu'est-ce qui m'apporte dans le jeu? Les gens, ils vont dire en mode, ouais, ça rajoute un petit peu de difficulté et tout. Elle est où, la difficulté? Dites-moi juste. Dites-moi juste, en fait. C'est quoi l'intérêt de te faire courir vers un boss? Non, mais soyons honnêtes. C'est quoi l'intérêt? C'est chiant pour rien. C'est vraiment chiant pour rien. Je réfléchis à la strat, je sais pas. Ah ouais. Si, si. Mais là, j'ai trouvé le raccourci. On est bien d'accord que là, c'est le raccourci. Si t'as pas trouvé le shortcut, ouais, c'est dur. Mais là, on est d'accord, monsieur Cap Handler, que là, c'est le raccourci que je viens de prendre. C'est le meilleur chemin que je puisse avoir. Donc, ça me casse quand même les couilles alors que j'ai trouvé le raccourci. Où est le bonheur? Ah merde, bon là j'ai trollé. Faut que je fasse deux coups. Bon, ça, Kaldanon s'est démocratisé, ils ont quasiment arrêté de faire des trucs comme ça. Et sur Sekiro, est-ce qu'ils ont fait des trucs comme ça ou pas? Sur Sekiro, est-ce que tu dois courir à fond pour aller trouver des boss ou est-ce que c'est ok? Sekiro, c'est gentil. Bah c'est bien, c'est bien. Et à la limite, tu vois, Dark Souls 3, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boss où je me suis dit le chemin me casse les couilles. Il y en a deux. Celui-ci. Et Oseros. Voilà. Donc, on va dire que dans le jeu, c'est ok. Mais Oseros, j'avoue que j'ai câblé. Oseros, j'ai rarement vu un truc aussi pète-couille. Tu peux tuer le boss aussi, t'auras pas run back, c'est vrai. Attends, c'est bon, attends. C'est bon, là, c'est parti. Je le tue, là. J'utilise une braise. Je vais utiliser... Attends, il est sensible à quoi? Il est sensible à quoi, le con, là? Je vais mettre un truc de fou. Et merci à toi, Expero, pour le raid. Il est sensible à quoi, ce con? Sensible à rien, non? Est-ce qu'il est sens... Il doit être sensible au saignement, c'est sûr. Fais le baisse-feu. Ok, ça arrive très très fort. Ça arrive très très fort, le feu. Ok, c'est bon. Ça part. On va voir maintenant qui est qui. Oula. Non. Oh, je me mets debout. Oh, j'ai plus d'énergie. Oula. Niveau rendu, je suis pas ouf là. Merde. Je le voyais pas! Je le voyais pas! Il se téléporte aussi! C'est cassadin le mec! C'est cassa le couz. Passepole, du coup, rappelez-moi, c'est lequel Oseros? Oseros, c'est le Dogo. Et merci à toi Kenzo pour ton de 10 euros, putain. Merci pour le contenu, ça accorde depuis des Game Revenge sur YouTube, tu régales. Mais également de mettre des rediffs dispo, car j'arrive jamais à être là quand ça commence. Ah, t'inquiète, hein, pas de soucis. Hein. Les rediffs sont gratos sur Twitch, y'a pas de problème. Après, si vous abonnez, c'est mieux, parce que comme ça, vous avez plus de contenu, vous avez des nouveaux contenus sur d'autres projets, tout ça, ça va être cool. Mais sinon, j'ai prévu aussi un truc juste après l'arc Dark Souls 3. Si on n'a pas les 1000 subs, de toute façon, on n'aura pas les 1000 subs après Dark Souls 3. J'ai envie de jouer à Pokémon Infinite Fusion. Et là, il y aura un truc où si jamais vous abonnez, vous aurez des avantages. Parce que pour être potentiellement des Pokémon de ma team. On verra qui sera le ratata. Qui sera le ratata. Et vous pouvez aussi choisir des fusions de Pokémon. C'est-à-dire que tu pourras dire, imagine, tu donnes 5 subs et tu dis, voilà, fais fusionner Ratata avec Rukul, quoi, par exemple. Et du coup, je le ferai, et ce sera ton Pokémon. Merde. Ah, je suis mort. Ah non. Je suis sous braise ou pas? Oh. Oh, le feu m'ouest de cette distance. My bad. Bon, après, j'ai vraiment forcé au niveau de mail. C'est my bad. Et merci à toi, Notice HVR, pour ton sub grâce à Twitch Prime. Plus que 322 subs pour Sekiro. Ouais, j'ai envie d'être Lili Pupute. Lili Pupute, bah tu peux, hein.